Et bonsoir à tous, bienvenue pour la nuit des abonnés. Merci d'avoir choisi de passer votre 1er mai en ma compagnie. J'espère que vous êtes posés tranquillement. Alors s'il y a un petit grésillement dans le casque, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Bonjour à tous, bienvenue pour cette soirée donc de jeu. On va jouer ensemble à différents jeux, mais vous le savez, on passe toujours d'abord par ce qu'on appelle la libre antenne. La libre antenne, qu'est-ce que c'est? Alors c'est les abonnés qui peuvent venir en vocal discuter avec moi de différents sujets. Généralement on planifie une heure et ça finit sur une heure et demie, voire deux heures. Donc le programme du soir s'appelle la nuit des abonnés pour une simple et bonne raison. C'est que la nuit des abonnés... Alors j'ai mon fil dans la nuit, c'est très très dérangeant. Écoutez, on va le repasser là. Voilà, ce sera pas très pro d'avoir le fil qui pend juste là devant, mais bon, ce sera peut-être un peu plus confortable. Donc je disais, la nuit des abonnés, c'est très simple, c'est vous contre moi. Alors on va ce soir jouer à différents jeux. On a essayé de changer un petit peu les... mon dieu, il y a des revenants sur le chat que je n'avais plus vu depuis 10 ans, bref. Donc bonsoir à toutes et à tous sur le chat. Alors si je regarde sur la droite, donc comme vous me voyez là, c'est parce que sur la droite j'ai le moniteur qui me permet de voir le chat et surtout le Discord où il y a déjà une vingtaine de personnes qui m'attendent pour discuter un petit peu... de sujets et d'autres. Et pour cela, eh bien, rien de plus simple, on va aller switcher. Alors j'aurai à mes côtés dans l'ombre Andy du coin simulation que vous connaissez peut-être. Et surtout, vous aurez droit à notre ami Emeric Kawa. Donc on aura droit à deux sous-fifres qui dans l'ombre vont nous écouter, mais qui vont nous aider aussi à faire fonctionner cette soirée. Alors le premier jeu auquel on va jouer, ce sera F1 2016 tout à l'heure. Restez attentifs, il faudra que vous ajoutiez un compte Steam d'un de mes amis, donc Andy du coin simulation en l'occurrence. Et du coup, comme ça, vous allez pouvoir jouer avec moi sur F1 2016 PC. Ce soir, on est 100% sur PC. La liste des jeux, elle est là en dessous. Alors, elle n'est pas dans l'ordre, évidemment, j'avais pas prévu tout ça non plus à ce point-là. Mais en tout cas, vous pouvez déjà vous préparer pour F1 2016. Pour le moment... Eh bien, si vous étiez sur Facebook et Twitter, vous avez pu constater différents posts qui ont été faits tout au long de cette fin de semaine dernière pour eh bien, la libre antenne. Et ainsi, vous allez pouvoir discuter avec moi. Donc, le canal du Discord est tout simplement disponible dans la description de ce live. Et je pense que la modération, la personne d'Erseneville, que je salue d'ailleurs, fera également son travail sur... le chat pour vous passer les liens utiles. Également, je tiens à préciser que ce soir, si vous voulez faire un don sur PayPal, j'ai refait enfin un lien de soutien. Donc le lien de donation est disponible aussi. Donc c'est juste tout en dessous dans la description, en dessous de ce direct. Alors, je ne vais pas vous mentir, il fait un petit peu froid chez moi. Et je risque de me caresser un petit peu les narines, mais ça n'ira pas plus loin, bien entendu. J'imagine les compères en train de rigoler. Donc en fait, la première game aura lieu aux environs, je pense, de 22h, 21h40, 22h, si il n'y a pas... si on excède sur la libre antenne, si pas, ce sera 21h30. 21h30, c'est théorique, c'est une heure par jeu, et on risque de finir très très tard. Alors on va faire du multijoueur sur F1 2016, du multijoueur sur Assetto Corsa, du multijoueur sur Race Room. Alors je vais essayer de prendre du contenu qui n'est pas forcément... payant, hein, évidemment, et surtout, on va terminer sur Dirt Rally, et Dirt Rally, en fait, je le fais toujours en fin de soirée pendant les nuits des abonnés, pour une simple et bonne raison, c'est qu'on ne peut faire rouler que 8 joueurs ensemble dans les courses de Rallycross, donc on fera du Rallycross, et on sera à 8, donc je pense qu'on fera ça vers 1 ou 2 ou 3 heures du matin, quand ce sera la fin, évidemment, de cette nuit des abonnés. Salut donc à Machin, salut à Christian, Alexandre, Rally64TV, Fox Drake, Cyan Ghost, qui je pense a changé son pseudo il n'y a pas longtemps. Bref, salut la Ramassette, salut à tous, donc bienvenue. On va pas tarder, on va commencer par recevoir pardon, notre premier invité, et je crois qu'il est disponible. On va tout de suite le switcher. Je ne sais pas s'il peut répondre. Est-ce qu'il nous entend? Il est pour l'instant muet, je ne sais pas. Est-ce qu'il peut se démute? Je ne sais pas s'il est déjà présent. Peut-être pas, parce que j'ai quelqu'un qui m'a demandé de passer. Et je l'accueille, mais visiblement, il est en muet. Donc on va le remettre dans le pot. Et on l'accueillera tout à l'heure. Alors sachez que pour la première fois, je fonctionne avec Discord, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors, écoutez, on va prendre le premier. Alors, j'ai donc invité sur Discord le garde-fou, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, merci. Voilà, alors... Je comprends quand même que tu le prennes. Excuse-moi, je suis pas très mal, je suis pas très à l'aise. Pas de soucis, écoute, détends-toi, tout va bien. On est là pour discuter. Imagine bon, que nous sommes...
Nous sommes autour d'une bière, mais sans l'alcool, parce que c'est interdit. Mais... D'accord, ok, Justine. Pardon, c'est la première fois que là, je suis dans ce genre de circonstances. Pas de souci, ça va très bien se passer. Tu n'as pas de bulletin à rendre à la fin de la journée, donc ça devrait aller. Alors, Oui, je t'entends professeur, oui. un petit peu loin, mais ça devrait aller. Les Bon, par viewers vont contre, de toute n'hésite façon pas à me dire donner. si mon micro fait les siennes, parce que bon, des fois, j'ai un peu quelques problèmes avec mon micro. Pas de souci, on va s'en sortir. Donc, bonsoir, le garde-fou. Est-ce que tu as un prénom? Est-ce qu'on peut t'appeler Bon, par ton pseudo? bah, Pierre. Pierre, je sais. Mon prénom, c'est Pierre. Je sais, bah, déjà, tu as dû me remarquer justement dans les commentaires, Pierre F13, ça te dit quelque chose? Quelque Oui, bien chose comme entendu, ça? oui, avec une DS3 WRC, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Exactement. On peut rien te cacher. Non, mais je suis les abonnés qui sont fidèles, hein, faut pas croire. On ne s'en fout pas complètement. Hein, vous nous T'inquiète intéressez, pas. nous, youtubeurs. En tout cas, T'inquiète certes, pas, je enfin, c'est mon comprendrai de cas. toute façon. Je comprendrai de toute façon. Alors donc, tu Alors, voulais que donc, je vienne est-ce que pour tu as discuter d'un sujet, c'est ça? une question, du coup? Qu'est-ce que tu voulais Alors poser? oui, j'avais proposé justement qu'on parle d'un petit sujet concernant justement les moteurs Formule 1 qui font actuellement assez débat, V6 qu'on considère souvent comme de la merde. Est-ce que ce serait une bonne idée, selon vous, de revenir à de bons vieux V8 des familles comme on les aime? Ça me Alors, semble intéressant. Voilà, revenir prochaine sur des question. bons vieux V8, oui, et pourquoi pas des V10, tant qu'à faire. Ah Alors, je oui. tiens à rassurer les viewers, on ne va pas faire la soirée sur Euro Truck Simulator. Mais vous le savez, qui dit libre antenne dit forcément Euro Truck. Donc, on va eh bien passer un petit peu de temps à conduire notre camion, histoire que YouTube et Twitch ne nous embêtent pas avec le fait que l'on n'ait pas trop le droit de ne pas utiliser d'antenne sans forcément faire du gaming, vous le savez. Donc voilà, donc ça risque de laguer un peu, mais on s'en fout, le jeu n'est pas intéressant, c'est juste du remplissage pour dire qu'il se passe quelque chose à l'écran. Bon, pour répondre à ta question, effectivement, le retour des V8 a été longtemps évoqué en F1. Alors moi, perso, l'RDV6, ça ne me dérange pas. Alors, j'aimais bien la citation qu'on avait entendue concernant les V6 turbo de, je crois, Vettel qui disait un son de merde, même s'il va plus fort, ça reste un son de merde. Et j'aimais bien cette réaction parce que c'était vraiment un problème. Ça fait partie du sport auto, vraiment. Je trouve le son, évidemment, ça va peut-être faire plaisir à certains riverains, effectivement. Mais si on part purement technique, est-ce que le V6 hybride est si dérangeant que ça? Personnellement, non, parce que je trouve que c'est assez agréable comme technologie, c'est intéressant, la Tout récupération à fait, d'énergie et tout ça. effectivement. Je sais pas ce que t'en penses, mais perso, je trouve que c'est Non, beaucoup. si, je suis bien d'accord avec toi. C'est une très bonne idée, justement, de vouloir promouvoir des moteurs plus propres comme les moteurs hybrides. Tout à fait, mais je trouve que la FIA le fait dans le mauvais sens, en fait. Parce qu'en voulant faire ça, en quelque sorte, il régresse, ce qui n'est pas vraiment souhaitable. Je ne sais pas si tu es même avec moi sur ce point. Mais je trouve que la FIA régresse pour beaucoup de choses, mais je pense que ça va changer avec Chase Carey, qui est donc le nouveau président, donc l'Américain qui a repris, on va dire, les rênes à Ecclestone. Je pense que ça risque de changer dans les années à venir, parce que on a déjà vu la suppression de l'aileron de requin, du T-Wing pour 2018. Je pense que le DRS vit ces dernières années, parce que quand on voit qu'un système artificiel de dépassement n'a même pas fonctionné sur un circuit comme Sochi, qui pourtant avait une ligne droite, et on a vu un total incroyable de zéro dépassement officiel pendant la course ce dimanche. C'est incroyable. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer en F1. Et je pense pas que s'acharner sur le moteur V6 hybride soit vraiment un problème. Ils l'ont rendu plus fort. Alors j'ai jamais entendu personnellement de vive oreille, on va dire, un V6 hybride. Mais en tout cas de F1. Hein. Sinon oui, les protos, etc. Et je vous rassure, quand j'allais voir les 6 heures de Spa, je sais pas si tu as déjà été voir de l'hybride en vrai. Malheureusement, non, j'ai pas vraiment le temps ni le budget pour m'y rendre, mais je dois avouer quand même que l'ambiance qui se dégage lorsqu'on entend du son, elle est nettement plus importante. On a vraiment, comment dire, Des frissons, quelque chose je qui se cherche les passe. mots. Voilà, c'est ça. On a plus on a vraiment plus de frissons. On a une plus grosse impression qu'il y a vraiment du monde sous le capot, que ça envoie, un truc comme ça. Oui, c'est ça, voilà. On a l'impression que ce sont des machines violentes, en fait, qui sont oui, vraiment violentes. Le son donne un côté méchant, vilain et agressif aux voitures. Ça fait partie au plus du look. Et d'ailleurs, sur YouTube, il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui s'est amusé à coller des sons de moteurs V8 et V10 sur des F1 2017 lors des essais de Barcelone. Et l'effet était démentiel. Alors, je vais vous donner aussi un petit quelque chose, c'est que j'ai reçu, comme beaucoup de mes collègues francophones et étrangers, la nouvelle formule, soi-disant Formule 1 extrême de Race Room, qui va sortir bientôt, qui est pour l'instant en développement, et j'ai pu la tester un petit peu cet après-midi avant de prendre ce live. Et effectivement, elle est Ah, c'est équipée d'un bien. V10.
Et je dois avouer que ça gomme beaucoup de problèmes qu'on a d'agressivité des voitures. Je trouve que ça corrige pas mal de choses. Donc est-ce que une F1 moderne telle qu'on la connaît depuis cette année avec des ailerons plus agressifs, une réglementation un peu différente, pourrait mieux passer auprès des spectateurs avec un V10 ou un V8? Peut-être, mais est-ce qu'à ce moment-là, un V8 hybride ne serait pas envisageable? Parce que ce qui dérange les gens, que ce soit un V8, un V10 ou un V6, je pense que pour le grand public, ça n'a pas vraiment de signification ou d'importance. Nous, c'est peut-être parce qu'on est plus fan du sport et de la technique du sport qu'on se dit « Merde, c'est vrai que l'époque... » Moi, personnellement, je regrette l'époque des V12. Matra, qui était absolument démentiel. On en a entendu une tournée au Mans il y a quelques années, conduite par Pescarolo. Ce sont des moteurs qui, pour moi, sont uniques. Les V12 Ferrari des années 80 et 90. Voilà, c'est des sons vraiment incroyables. Encore maintenant... Je prends un exemple que certains peuvent peut-être comprendre s'il y en a qui vont par exemple aux 24 heures du Mans ou aux 6 heures de Spa. On a les nouvelles GTE Pro qui sont les nouvelles Ferrari qui sont désormais à turbo. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui est présent dans ce TeamSpeak, enfin dans ce Discord, qui peut me valider mes propos. Quand on entend passer les anciennes Ferrari qui sont les anciennes GTE Pro mais des GTE AM, qui sont elles par contre des moteurs Atmo, eh ben, je peux vous dire que le frisson dans la tribune on l'a. Alors que quand on voit passer les nouvelles GTE Pro turbo, c'est... Ça n'a plus d'âme, quoi. Il y a quelque chose qui se perd. Limite, c'est comme la corvette de l'arbre. De c'est vraiment triste au possible. C'est pas croyable. Oui, voilà. Je confirme. Voilà. Voilà, Emery qui s'est démute pour confirmer. Mais il y a vraiment voilà, cette sensation de perdre quelque chose, ou en tout cas qu'il manque quelque chose. Alors, est-ce qu'il faut blâmer le V8 ou le V6 hybride maintenant, ou est-ce qu'il faut blâmer la manière dont on a utilisé et instauré le V6 hybride? Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire un V6 hybride et de ne pas se dire au bout de, je sais pas, peut-être 2-3 ans de développement avant de l'instaurer en F1, « Ah oui, c'est vrai, on va faire des moteurs hybrides, ils font pas de bruit. » Non, parce qu'en fait, la F1 a beau faire tous les 6 mois des sondages sur ce que veulent les fans et ce qu'ils veulent revoir, c'est impossible pour la Formule 1 de satisfaire les fans. Je pense que, enfin, moi, à mon avis, c'est impossible d'avoir tous les ans un duel Prost Senna, des machines comme dans les années 80, avec des réglementations dangereuses comme dans les années 70, dans les années 2000. Tout mélangé n'existe pas. C'est justement parce qu'on a connu ces différentes périodes que le sport a évolué et qu'il est devenu ce qu'on aime, je pense. En tout cas, pour ma part. Donc, moi, je ne suis pas choqué de ce V6 hybride. Je serais plus satisfait s'il faisait plus de bruit, effectivement. Mais c'est un peu le même principe que le fond plat qui fait des étincelles. Il y a eu 2-3 ans, on mettait des faux fonds plats qui faisaient des gerbes d'étincelles. Ouais, mais c'est artificiel. C'est pas vraiment les voitures qui talonnent et qui tapent dans le dos du pilote pour vraiment créer ces étincelles. Donc, il y a beaucoup de choses en Formule 1 qui ont été... Si on les ajoute ou on les enlève, c'est comme un mode sur un jeu vidéo, finalement. Tu sais, tu peux... Ah, on met le DRS, non, on l'enlève. Ah, on met le fond plat qui fait des étincelles, non, on l'enlève. Ah, on met le T-Wing, etc. Donc, il y a vraiment tellement de choses artificielles qu'on ne sait plus ce qu'on doit croire de vrai et il n'y a plus grand-chose qui nous anime, finalement. Et je pense que le V6 hybride fait partie des choses qu'il faudrait, à mon avis, faire évoluer, mais pas abroger, en tout cas pas abandonner. Parce que c'est une technologie naissante, comme il y a eu les jupes dans les années 70, l'effet de sol, etc. Il faut continuer à faire ce genre de choses, ce genre d'évolution. C'est important pour la technologie. C'est un des rares points, je pense, avec le carburant et peut-être un peu l'aéro, où aujourd'hui en F1, ça se répercute encore sur les voitures de monsieur et madame tout le monde. Avant, on disait que la F1, c'était le laboratoire. Ben maintenant, je trouve que ça l'est beaucoup moins. Ou alors sur des choses tellement techniques que nous, on ne peut plus le voir, ni toi, ni moi, je pense. Limite, même ce rôle a été déplacé un petit peu vers le wake, j'ai un peu l'impression. Je suis tout à fait d'accord sur le wake, effectivement. Ouais. Oui, c'est vrai, quand tu vois Toyota, ce qu'ils ont réussi à faire... avec Porsche, avec un petit V4, ils sont parvenus à aligner des performances vraiment incroyables. Effectivement, oui. Je crois que Porsche, la première année, la récupération était sur le train avant et arrière, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'était la seule voiture qui avait les 4 roues qui récupéraient, quelque chose comme ça. Et oui, c'est une nouvelle manière. Moi, les gens qui ont crié au scandale... quand la Formule E a été créée. Mais croyez-moi qu'aujourd'hui, je me lève plus facilement pour aller voir une course de Formule E à 2h du matin plutôt que de regarder la F1 à 7h du matin. Parce que je sais qu'en Formule E, les mecs, ils vont bastonner, ils vont taper, ils n'ont rien à perdre. La lutte avec Buemi et Di Grassi est sympa. Enfin bon, je diverge un petit peu, mais... Comme quoi, l'électrique peut être passionnant. Donc s'il est bien utilisé, ça peut être une bonne chose. Après, chacun son avis. Hein, voilà. Oui, alors sur le chat, effectivement, je roule en camion avec un volant F1. Mais c'est ça aussi l'évolution de la technologie, qu'est-ce que vous voulez? Bientôt, on aura deux bâtons pour diriger les camions sur les routes. Non, mais j'allais pas changer le volant pour faire du rallye, de la F1 et du camion, les enfants. Non, mais je comprends. Mais toi, justement,
qu'est-ce que tu pourrais proposer? Voilà, si on dit, voilà, demain, tu es responsable de la F1, qu'est-ce que tu feras avec ces V6 hybrides, justement? Je ne sais pas vraiment. Bah, tu m'en poses déjà une question extrêmement compliquée. Alors, justement, essayer justement de, non pas de... tenter déjà de les améliorer, ce serait déjà un point assez important, je pense. Déjà dans le sens sonore, ce serait déjà une bonne chose. Déjà, ça pourrait être essayer justement de ramener les vieux fans de F1 qui ont dû déserter aujourd'hui. Effectivement. Et puis après, je sais pas, il y en a aussi, je sais pas. Enfin, comme tu le dis, il faudrait essayer d'abroger ces sortes d'artifices qu'on met de plus en place. Par exemple, le DRS et tous ces trucs à la con. C'est saloperie, oui, tu peux le dire, c'est des saloperies. Voilà, c'est des artifices. N'ayons pas peur de dire ce qu'on pense. Il faudrait essayer justement d'essayer de s'en affranchir et de revenir un petit peu. Je sais pas si si tout le monde va être d'accord avec moi sur le chat ou par les viewers. C'est pas grave, si on n'est pas d'accord, t'as le droit d'avoir ton avis. Essayer justement de reprendre ce qui avait fait le succès de la Formule 1 dans les années 2000, qui avait séduit beaucoup de monde, et essayer d'associer de nouvelles technologies, de nouveaux éléments qui plaisent actuellement aux gens dans cette période. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire comme ça. Et malheureusement, c'est coûteux, on ne va pas se le cacher, ce genre de travaux, mais si on essaie de faire comme ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Oui, mais il faut accepter aussi qu'on est dans une période de transition claire et de gestion du sport. Donc la F1, le management est en transition. Donc avant qu'eux puissent prendre leurs propres décisions, je pense qu'il va se passer au moins un an ou deux. Par contre, ce qu'on peut espérer, c'est que quand on voit que les nouveaux dirigeants sont américains, s'il y a bien des gens qui savent faire du spectacle en sport auto avec la NASCAR, c'est bien les Américains. Alors je prends la NASCAR, mais l'IndyCar aussi, hein, je ne les oublie pas, mais je prends la NASCAR parce que c'est vraiment... avoir des décorations historiques dans certains événements, avoir des légendes, des traditions. La F1 a perdu, je pense, pas mal de ces traditions. La réduction des essais hivernaux, les essais privés, la lutte entre deux fournisseurs ou plus de pneumatiques. Il y a beaucoup de choses au règlement qui ont été tuées d'elles-mêmes par les instances dirigeantes. Alors, il y a un premier pas pour moi positif, c'est le look des voitures. Ça c'est clair, ça donne beaucoup plus envie d'aller les voir maintenant, même si fondamentalement c'est juste le support des ailerons qui a changé, la largeur des pontons et la largeur des pneus, c'est pas fondamental comme restructuration, mais il y a quand même eu du changement, on s'est quand même dit, ah ouais, les voitures qui ont l'air d'être en 4 tiers quand tu regardes les écrans en 16.9, c'est pas top, effectivement, les F1 2009-2010, c'était pas les voitures les plus excitantes de l'histoire, même si par exemple je trouve la Brown de 2009 très jolie, bon ça c'est un exemple, c'est un choix perso, mais j'avais du mal vraiment à me retrouver dans ces voitures là parce que pour moi la première fois que j'ai vu ça, ensuite en 2012 on a eu les voitures avec appareil génital fourni en supplément, hein, donc tous les sexes qui dépassaient au bout là, de l'aileron, c'était assez je trouve que c'était pas top visuellement non plus, encore une fois, puis on a eu les becs de canard, enfin bon bref. On a vraiment eu beaucoup, beaucoup de choses qui sont passées à côté de ce qu'elles devaient être. Alors j'ai du lag, désolé, sur le jeu, mais c'est Euro Truck, hein, donc ça bouffe tellement, je suis désolé. Je vais devoir bientôt baisser le rendu du jeu, alors que j'ai 34% de CPU qui est utilisé, donc et 70% de carte graphique, ça va. Je vais pas avoir le PC qui va planter quand même. Allô ? Oui, je suis toujours là. Ah non, mais Euro Truck, lui, a décidé de partir. Bon, écoutez, on va le laisser partir, hein, Euro Truck Simulator 2. Voilà, évidemment. Donc, on va rester sur ça, évidemment. Merci beaucoup à nos amis d'Euro Truck, hein, qui ont fait un jeu vraiment très stable. Merci, les gars. écoutez, on va rester du coup sur ce... Oui, ce programme ne répond pas. Merci, Windows, de me dire qu'Euro Truck est un jeu de merde. On ne l'avait pas encore vu depuis 10 ans. Je t'en prie. Voilà, comme ça, c'est fait. Et c'est là que tu m'annonces que je suis ex-développeur de... Non, mais... Bon, écoute, on va rester comme ça pour le moment sur ce côté libre antenne. C'est pas grave. On fera ça un peu plus à la default avec moins de contenu. Non, mais voilà, honnêtement, je trouve que c'est vrai qu'il y a encore du boulot, mais on est beaucoup moins sur la pente vraiment descendante et on essaie de se reprendre en main avec les nouveaux dirigeants et c'est une bonne chose. Loin de moi l'idée de vouloir te couper, mais je pense que... Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Laisser un peu de place à quelqu'un d'autre. Si tu as un dernier message, je te laisse d'ailleurs... Non, j'ai dit absolument tout ce que j'avais à dire. Mais je te remercie de m'avoir justement permis de m'exprimer en public. Donc, et ben voilà, j'ai à peu près tout dit. Je te remercie beaucoup. Bah voilà, bah écoute, une bonne soirée. Merci à toi, Pierre. Merci. Bah du coup voilà, on va reprendre Pierre et le déplacer dans l'autre TeamSpeak et on va pas tarder, on va accueillir un autre invité qui normalement doit m'entendre. Est-ce qu'il peut se présenter? Bonsoir, est-ce que tu m'entends? Je sais qu'il entend micro mute, on va attendre un petit peu tout de même. Parce que je sais qu'il y a des gens qui doivent passer évidemment.
Alors, est-ce que je serai au Mans cette année, me demande Benjamin. Non. Alors, si vous avez des questions sur le chat, essayez de les poser aussi également quand j'ai un petit espace de libre. J'essaie d'y répondre également. Ça fait aussi partie du jeu. Alors, ah, il s'est démute. Il doit donc être proche de son micro. Bonsoir. Et toujours pas. Hashtag MalesTV, évidemment, vu que c'est la mode en ce moment. On salue Hydro, le collègue Hydro, qui passe sur le chat. D'ailleurs, au passage, Hydro, si vous ne le connaissez pas, allez voir, il fait des vidéos sur le jeu Formule 1 2016 assez bien réalisé. Il fait un boulot de fou en montage. Je sais ce que je sais de quoi je parle et je vois qu'il fait un boulot de taper. Ah! Bonsoir, Oui, je suis là. monsieur Jackie. Salut Maxou, ça va? Bonsoir, comment vas-tu? Très très bien. Bah écoute. Est-ce qu'on m'entend bien? Alors, visiblement, on va avoir le feedback du chat. Moi, personnellement, je t'entends très très bien. Ouais, c'est bon. Ça va? Oui. J'ai mes sbires Salut qui Jackie, veillent. impeccable. Voilà, j'ai mes deux sbires qui veillent sur nous. J'ai pris le micro du podcast et tout, hein. Là, je suis en top qualité normalement. Ah, là, tu as un son parfait. Là, je pense qu'on ne peut mieux t'entendre si ce n'est t'avoir à côté de moi dans le même micro. Ce que je serais d'ailleurs ravi. Oui, écoute, si tu passes par la Belgique, tu es toujours le bienvenu, évidemment. Alors, préviens Ouais, qu'on fasse quand même une petite. Comment? Une petite. Un petit stock de bière, hein? Je sais pas ouais. si. Ouais, c'est toujours bon. Je suis passé par la Belgique l'année dernière, Ouais. justement pour écouter la F1. C'était le garde-fou qui en parlait tout à l'heure. Moi, le son des voitures m'a pas plus choqué que ça, en fait. Le V6 hybride. Non. Non, non, c'était déjà impressionnant à l'époque, les passages, enfin moi ce que j'ai trouvé impressionnant c'est les passages en courbe, quand on les voit rentrer dans Blanchimont, quand on les voit, bon le Raidillon il passe à fond, mais ça c'est Oui, fait depuis longtemps longtemps déjà, hein. maintenant. Mais quand tu les vois, nous on a été longtemps à Pouhont, au double gauche, là à l'entrée du double gauche, quand tu les vois rentrer qui font tomber qu'une seule vitesse, Oui, c'est hallucinant. ça reste quand même impressionnant. Là, ils vont aller encore plus vite cette année, parce qu'on parle de 3-4 secondes. Mais voilà, moi, c'est pas ça qui m'a choqué, c'est pas ça qui me choque le plus. Mais quand je compare avec le WEC, où je suis allé au Mans cette année aussi, j'ai vu notamment des voitures à la réaccélération au bout de la ligne droite des Hunaudière. Et là, moi, j'appelais ça la catapulte, parce qu'au Oui, moment où ça remet en route, c'est encore plus. Sur une F1, je ne l'ai pas ressenti comme ça, mais au moment où ça remet en route les hybrides, il y a un effet catapulte que ça décolle vraiment. Et c'est les 1000 chevaux qu'ont les voitures du WEC, hein, ou certaines en tout cas, ils font vraiment pour beaucoup. mais il y a quelque chose de très impressionnant aussi, c'est la facilité par la répartition de l'énergie, du passage de la puissance au sol qui est très bien réparti. Il y a quasiment pas de patinage. C'est ça aussi qui Ah est oui, non. vraiment hallucinant, quoi. C'est que on peut se dire qu'à partir d'une certaine vitesse, elles ont un appui aéro, mais Bah, ils si ont du bas, traction control. voilà. Mais avec le traction control, on a l'impression que, enfin voilà, ça défie vraiment. Alors je sais qu'il y a une des routières, c'est je crois la Nissan GT-R, la dernière génération, qui est absolument incroyable en launch control justement. Et j'aurais bien aimé voir Nissan réussir en WEC. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, de leur faute en partie. Mais j'aurais bien aimé les voir réussir pour voir un peu si comment eux allaient adopter le système de traction control avec l'hybridation, parce qu'ils ont l'air de savoir ce qu'ils font, en tout cas sur les voitures routières. Mais bon, on ne le saura jamais, je pense. Alors, en tout cas, elle est Non, au non. musée. Hein. Si vous voulez aller la voler, faire un tour, allez faire un tour. Mais donc, Elle doit être en panne, non, d'ailleurs. je ne sais même pas s'il y a encore un moteur dedans. Je sais pas si quelqu'un peut aller Ben vérifier ça, au je sais. Mans. Alors, je vois pas mal de messages sur le chat aussi. Le live se termine à quelle heure? Alors, honnêtement, je ne sais pas. On s'était dit qu'on allait faire une petite heure, 1 h 30 de libre antenne avant d'aller jouer vers oui, 22 h. Et ensuite, on commencera par F1 2016. Donc, si vous voulez préparer votre jeu pour nous rejoindre, on vous expliquera comment faire tout à l'heure. Mais voilà, on commence par F1 2016. Du coup, oui, donc tu souhaitais aborder Ouais, il y un avait deux sujet en petites, particulier? un sujet en particulier, c'était ce, bon, moi, à l'IFSIM, on s'occupe Oui, présente-toi principalement. d'ailleurs. Excuse-moi, je te Ouais, coupe, parce mais que, voilà, parce que moi, je ouais, te dis bonjour, salut, ça va, check, comment tu vas? Non, non, on va quand même laisser Jackie se présenter parce que voilà, tu n'es pas un simple viewer comme tous ceux qui nous regardent, tu es au-dessus du peuple. je sais pas si je suis au-dessus, mais je suis comme toi, je suis un média. Effectivement. Je suis rédacteur en chef de LiveSim, le média du sim racing, enfin un des médias du sim racing, comme Racing de Racing Line aussi, notamment en français.
où tu écris d'ailleurs. Plus beaucoup, et voilà, malheureusement, mais oui. Plus beaucoup, ouais, bah, les activités font que c'est normal. Et on essaye de promouvoir, on va dire, le sim racing d'une manière générale, comme toi tu le fais aussi. Mais nous, c'est plus sur un format écrit, donc c'est plutôt des articles un peu fouillés, un peu longs, des interviews, des choses comme ça. Et cette semaine, c'était une grande semaine pour moi parce que j'ai été visiter un centre de simulation pour des gentlemen drivers qui est à Saint-Malo. Et ça, c'était super. Et j'ai aussi rencontré Partail à Brest. Ouais. Et ça, c'était super aussi. Donc voilà, c'était une super semaine pour moi. Donc voilà, c'est le genre d'articles qui vont se retrouver dans les semaines qui vont venir. C'est ce genre de choses qu'on fait. Et dernièrement, on a fait un premier nouveau projet. C'était le podcast. Oui. Avec un très bon pilote de simracing, on va l'appeler comme ça, hein, notre ami. Un alien, ouais. Oui. On va dire ça, Arnaud Lacombe. Arnaud Lacombe, qui est quand même une référence, hein, on peut le dire. Ouais, voilà. C'est non seulement un très bon pilote, mais en plus humainement, c'est quelqu'un de très juste, d'agréable. Voilà, le podcast, je pense, l'a bien rendu. Hein. Et c'est vrai que c'était très agréable pour nous d'avoir ce premier invité. On a été très content du format qu'on avait choisi, à savoir discuter avec un invité sur différents thèmes. Voilà, on en a choisi trois pour Arnaud, ce sera trois autres pour un autre. D'ailleurs, tu es invité, hein, je te l'ai déjà dit. C'est officiel, je suis officiellement. Ah oui, j'en profite, hein, comme ça, comme j'ai l'antenne pour moi tout seul. Oui, tu es invité à venir. Ouais. Bah, écoute, c'est avec plaisir en tout cas. J'ai écouté justement cet épisode avec Arnaud, et alors j'y retrouvais pas mal de choses. Alors personnellement, je sais pas si tu connais, mais à l'époque il y avait Radio Nesblog, que moi j'aimais beaucoup, qui est une radio qui était faite en fait par des fans de jeux vidéo qui n'avaient aucun rapport avec l'automobile, mais c'était un petit peu l'ambiance que j'y retrouvais. Et pour être un peu plus proche de ce qui est automobile, j'avais des amis belges qui il y a de cela 5-6 ans faisaient une émission qui s'appelait F1 Débrief, et aujourd'hui certains travaillent pour des sites comme motorsport.com, Michael d'ailleurs Dufauré justement, ouais. Et effectivement, oui, c'est un format, le podcast, qui marche bien. Il y a énormément de téléchargements de podcasts, que ce soit d'émissions de radio, etc., du net ou des médias traditionnels, donc des vraies émissions de radio traditionnelles. Donc j'ai toujours été un fan de radio perso. Donc quand j'étais petit, j'avais deux idoles, dont un était Koé. Évidemment, ça fait sourire, ouais, quand tu dis ça maintenant, parce que ça ne ressemble plus absolument à rien. Mais c'est pour ça que tu fais une libre antenne. Voilà, c'est un peu ça aussi. C'est que moi, je suis un enfant de ces générations-là, où tu avais sur Europe 2, tu avais Planète Arthur, tu avais donc Koé sur Fun Radio, tu avais plein de gens qui avaient ce côté aussi libre à l'époque, qui sont malheureusement aujourd'hui tous rentrés dans un format, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, évidemment, ça c'est un autre débat, mais aujourd'hui ça s'est énormément formatisé. Moi j'étais aussi dans une jeunesse où j'étais fort influencé par certains politiques qui étaient en place à certaines périodes, donc on avait énormément de culture à la télévision et à la radio, donc on avait facilement accès à tout ça, même en Belgique, alors que voilà, ça n'était pas, je n'étais pas sur les ondes françaises. Donc effectivement, j'ai toujours été très attendri par la radio, et le podcast est un format, voilà, que j'affectionne tout particulièrement. Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir, je vais pas dire de ne pas en avoir eu l'idée, mais de ne pas avoir trouvé un concept assez original pour en faire un podcast avec assez de contenu, assez fourni finalement. C'est un peu le problème dans notre domaine. Je sais pas ce que tu en penses, toi qui justement rédige tous les jours sur, ou en tout cas plusieurs fois par semaine sur le sim racing. C'est difficile dans un sujet aussi restreint de pouvoir avoir assez de contenu pour vivre quotidiennement avec une actualité quotidienne sur le sujet, ou est-ce que tu arrives à avoir justement assez de, voilà, assez de contenu de matière. Pour, oui, de, ouais, matière, ouais, c'est vrai qu'on fait des choix. On pourrait, il y a un manque aujourd'hui sur la simulation, c'est le suivi par exemple des courses. Oui. Il n'y a pas de site aujourd'hui qui récapitule l'ensemble des résultats de la scène Steam Racing en France et dans le monde. Il n'y a rien aujourd'hui. Pourtant, il y a des compétitions, il y a des championnats d'Europe sur Project Cars, par exemple, fait par l'ESL. Exactement. Voilà, il y a plein de choses. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de site qui regroupe l'ensemble. Et c'est bien dommage. Ce serait aussi un des chevals de bataille. Ça, c'est un autre sujet que je voulais parler avec toi. Sur la fédération.
La fameuse fédération qu'on essaye de monter, j'allais dire au passé, mais c'est toujours en cours. C'est pas facile. On a quelques galères parce que il faut s'entendre sur ce qu'on veut fournir, sur ce que la plus-value que pourrait amener cette fédération. Mais un des points importants pourrait être justement d'avoir les résultats, ne serait-ce que ça, quoi. Oui, bien sûr, parce qu'il existe énormément Alors, on est aussi dans une période qui est plutôt faste concernant le sim racing, parce qu'on sort d'une période très difficile, le 2007, 2012, 2013. Il n'y avait plus de jeux de sortie, il n'y avait plus rien eu. On avait Air Factor, GTR, à part e-racing dans sa bulle qui fonctionnait, enfin qui commençait à fonctionner. Avant la sortie de Project Cars, de Race Room, d'Air Factor 2, même d'Automobilista à son échelle, on n'avait pas vraiment de contenu non plus. C'est vrai, c'est ça le problème. C'est que si tu prends les jeux de guerre, tu en as un qui sort quasiment tous les 6 mois, et encore, c'est assez régulier. Il y avait pas mal de choses qui nous ont empêchés de continuer à pérenniser les jeux de l'époque. Ça a été la perte des licences comme Porsche, le blocage de la licence F1 par Sony pendant plusieurs années sans faire de jeu, je crois de 2006 à 2010, avant que Codemasters la reprenne, enfin 2009. Donc il y a eu beaucoup de périodes où on n'avait rien, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, on a des structures qui existent. Alors il y a Party Matching, je pense, qui existe, qui est un site de référencement pour classer des personnages, etc., pour des MMO et pouvoir faire du ranking de joueurs et du rapport de rencontres, etc. Alors pourquoi pas essayer de faire ça avec du sim racing. Alors on a vu qu'il y a plusieurs choses qui ont essayé de se lancer. Alors tu connais comme moi des gens de notamment la LSMV qui travaille également au GT Fusion, etc. Ils sont avec nous pour ce projet de fédération. Voilà, donc la fédération n'est pas, le projet de fédération n'est pas mort, mais fort heureusement, et il faut justement profiter de cette dynamique qu'on a depuis, je pense, un an ou deux maintenant, depuis que moi aussi je me suis lancé, finalement ça va faire 2 ans et demi. Depuis 2 ans et demi, on a vraiment un essor du sim racing et une démocratisation. Alors pourquoi pas vraiment valider le sim racing comme une catégorie de gaming, autant que le RPG, comme League of Legends, comme du stratégie, comme du CSGO, comme du... Voilà, et qu'on ait, par exemple, ici, ce week-end, on a eu un événement Nvidia qui s'appelait le GTX Challenge. Il n'y avait pas un jeu de voiture. Bon, il y avait Rocket League, oui, c'est des voitures, mais c'est pas un jeu de voiture. Donc voilà. Donc... C'est un jeu de voiture, tu vois, ça fait partie des discussions qu'on a eues justement dans la fédération. Voilà, qu'est-ce qu'un jeu de voiture ? Tu parles de Rocket League, mais c'est le premier jeu qui est cross-platform. C'est-à-dire que tu peux jouer... Tu vas faire un événement sur PC, mais des gens sur console ne pourront pas jouer à F1 2016 parce que les serveurs ne sont pas communs. Rocket League permet ça. Et ça commence aussi avec Forza Horizon 3. Alors dans son genre aussi, je crois que maintenant on peut jouer entre utilisateurs Windows 10 et Xbox One, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est instauré, mais à vérifier. Je prends des réserves. C'est le sens de l'histoire, hein, ça. Il va y avoir du cross-platform, c'est obligé. Il faut qu'on y arrive de toute manière. Bah, à partir du moment où tu crées des jeux multiplateformes, que tu les sors sur plusieurs, donc assez tôt par exemple, il est sorti sur console et sur PC avec des différences au départ, mais bon, voilà, ça va attendre à se résorber. L'étape d'après, c'est le cross-platform, c'est obligé, quoi. Je pense qu'on va y arriver parce que c'est bénéfique et pour les joueurs PC qui vont avoir un peu plus de joueurs console. C'est bénéfique pour ceux qui vont créer du matériel, les volants, les accessoires, etc. Si ça peut fonctionner sur plus de plateformes. Je ne suis pas très doué en communication et en commerce, mais je pense que si tu peux vendre si je peux vendre un produit sur une machine ou sur trois, je vais être plus satisfait de pouvoir le vendre sur trois, évidemment, sans que ça me coûte plus. Donc voilà, tout le monde peut y gagner, que ce soit les ligues, les joueurs, les marques, les fabricants, tout le monde a quelque chose à gagner avec le cross-platform. Après, qui va faire le premier pas ? Ça commence un petit peu, mais ça reste fort timide. Est-ce que les gens, enfin les investisseurs, les boîtes n'ont pas envie d'y aller et risquer de se casser les dents sur le projet ? Pour moi, le premier qui a fait le premier pas, déjà, c'est de lancer un jeu massif en termes de volume de vente, qui est Project Cars. Même s'il a des défauts. Hein. Oui, bien sûr, il a des défauts, mais il a eu la... Pour moi, c'est celui, tu as raison, qui est le plus fédéré ces dernières années, je pense. J'en discutais avec Partaille vendredi. Il est arrivé par Assetto et par Project Cars, parce que ce sont des jeux qui sont visiblement jolis, même si ça ne l'a pas satisfait. C'est pour ça qu'il s'est tourné vers e-racing, mais ça n'enlève que c'est un jeu qui donne envie
et qui crée, je ne vais pas dire des vocations, mais c'est un peu ça l'idée. Si tu peux. Mais ça donne envie. Moi, j'ai un pote qui travaillait avec moi. Il est venu vers moi sachant que je fais de la simulation. Et j'ai découvert la simulation avec Pécars. Je trouve ça génial. Mm-hmm. Le jeu est super. Bon, voilà, je laisse dire. Mais par contre, personne ne veut jouer avec moi. Bah, moi, je veux bien jouer avec toi. Donc, j'ai relancé Pécars. Voilà, on a galéré un petit peu pour le faire, pour faire fonctionner sans bug. Et puis on s'est amusé. Et puis là, nous, en tout cas, on va essayer de rouler un petit peu sur Assetto. Là, c'est moi qui vais venir là, mm-hmm. Avec les packs Porsche qui sont très disponibles et qui sont intéressants. Donc voilà, nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans LiveSim. On essaye de rouler un petit peu, même si on ne roule plus beaucoup. Il y en a certains d'entre nous. Enfin, moi, en tout cas, je ne roule plus beaucoup. Malheureusement, je ne roule qu'à des événements. J'aurais pu rouler ce soir si ça avait été hier, si tu veux. Ah oui, mais c'est le cas de beaucoup de gens, effectivement, avec le travail qui reprend demain pour beaucoup. Ouais. Ouais. Mais effectivement, c'est dommage parce que tu n'es pas le premier que j'entends, entre guillemets, on va dire du milieu, c'est très vulgaire ce que je dis en disant du milieu, mais en tout cas du monde du sim racing public, qui me dit je n'ai plus le temps de rouler. Il faut savoir que si je peux donner une situation personnelle, moi non plus, en dehors de mes vidéos, je n'ai plus le temps de rouler. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, alors certes, je prends du plaisir à faire mes vidéos, mais des fois, t'as pas envie de jouer à ça, mais tu dois sortir ou tu dois tourner. Et tu prends juste moins de plaisir. Donc, pardon. J'aime beaucoup le concept justement de Partaille qui lui a trouvé un jeu qui lui plaît, où il est sûr de se faire plaisir et qui va vous faire partager en vidéo de manière occasionnelle en plus, hein, il ne fait pas une vidéo par jour ou plus. Via ses lives, quand il fait une course, eh bien, il filme et il se passe ce qui se passe, il ne s'embête pas à commenter outre mesure, donc il vit sa course et c'est ça aussi qui est agréable. Moi j'ai découvert Partaille pendant ces 24 heures de Daytona en début d'année, c'était très agréable à suivre parce qu'il a une voix... Très calme, très posé, très clair. Ouais. Il a un parler très fin, il a du vocabulaire, il a de la richesse dans les peu de choses qu'il dit, les peu de mots qu'il utilise. Ils sont très bien choisis. Et ça, c'est un truc malheureusement trop rare dans notre domaine aussi. Ouais, il est très très bien à parler en manière générale, parce qu'on peut le croire timide quand même un petit peu. Mais j'ai quand même 2h30 de son pour l'interview, ça risque d'être long. Mais il faut se méfier des timides. Hein. Les timides, une fois qu'on les lâche, c'est ceux qui parlent le plus. Hein. C'est celui que vous n'allez pas arrêter après 2-3 verres. Hein. Enfin, je dis pas forcément. C'est utiliser, super. Hein. C'est, moi, j'étais ravi d'aller le voir. On a parlé plein de choses. C'était vraiment super. Et puis, en plus, j'ai découvert iRacing parce que tu parlais tout à l'heure que moi, j'ai fait le choix. LiveSim a commencé en 2008. Le fondateur est venu me voir pour que j'écrive des chroniques parce que j'écrivais déjà à l'époque sur mes forums je me suis posé la question d'écrire et piloter en fait parce que j'arrivais à un moment où j'étais dans une équipe qui s'appelait la Team Factory GT qui était sur la fin on va dire et même si j'avais trouvé d'autres ligues qui m'accueillaient. Je ne retrouvais plus l'ambiance que j'avais avec les gens que je connaissais et tout ça. C'était différent parce qu'il y avait un effet de groupe qui s'était créé. Mmh. Et donc j'ai fait le choix de rouler juste pour mon plaisir, c'est-à-dire qu'à des moments où j'avais envie, quand il y avait des événements, j'ai des circuits que j'aime, quand arrivent les 24 heures du Mans, j'ai toujours envie de rouler sur le circuit des 24 heures, même si le circuit il est pas terrible, enfin c'est-à-dire qu'il est pas. Il y a moins de kiff que rouler sur d'autres circuits. J'ai une affinité avec ce circuit. J'adore les voitures qui tournent. Voilà. Mais je vais rouler sur Assetto parce que j'ai envie de rouler sur la Porsche. Mm-hmm. C'est des envies. Alors j'écris, je raconte plus que j'écris que je pilote aujourd'hui. Parce que je pense que j'ai une plus-value aussi à piloter. Maintenant, là, tu vois, moi je suis un peu plus vieux que toi, j'ai 44 ans. Un peu, tout petit peu. Voilà, je suis pas, je peux plus rouler autant que il faudrait pour être pas ridicule face à des avions qui roulent très très vite, très très fort, et ça demande beaucoup d'entraînement. Et bien sûr.
On le voit, enfin, on le voit même sur le championnat F1 de iRacing, ceux qui roulent moins, tout de suite, ils arrivent en fin de tableau, quoi. Oui, j'ai souvent aussi la réflexion des gens qui me disent « Pourquoi tu viens pas en ligue ? Pourquoi tu viens pas faire ci ? Pourquoi tu viens pas faire ça ?» Depuis que je me suis mis à proposer du contenu sur YouTube, j'ai perdu ce qui m'intéressait il y a de cela quelques années, c'était prendre une voiture dans un jeu que j'aimais bien, prendre un circuit et bosser à fond, faire 4-5 setups, plus souple, machin, l'endurance, prendre des feuilles, noter des papiers entiers, et vraiment se dévouer entièrement à un truc et ensuite te dire « Allez, j'ai travaillé 2-3 semaines sur la bagnole, maintenant je vais aller faire un championnat et je vais voir ce que je vaux vraiment. » Et on connaît la voiture par cœur, etc. Et on peut se trouver récompensé en faisant des belles performances dans des championnats. Je faisais ça quand j'étais ado parce que, premièrement, en étant étudiant, t'as beaucoup plus simple qu'en étant dans la vie active. Aujourd'hui, je le dis clairement, si je dois arrêter YouTube, ce qui peut-être, et ce qui de toute façon va arriver, le jour où je retrouve un vrai travail, comme je le dis parfois, ou en tout cas un travail plus traditionnel, YouTube va devenir un passe-temps, et ce sera peut-être une fois par mois ou deux fois par mois, et je vais peut-être, je ne sais pas, allez, peut-être que je me mettrai uniquement à e-racing, peut-être que je choisirai une voiture qui me va bien, et que je ferai un championnat ou plusieurs épreuves sur ce championnat et cette voiture, mais j'ai envie de retrouver ces sensations que j'avais avant, et que tu exprimais justement en disant que tu les avais en étant, si je peux me permettre, un peu plus jeune ou quand tu avais un peu plus de temps. Ça manque clairement. Et finalement, le sim racing, pour moi, c'est ça. Moi, j'avais dans le groupe d'organisation du championnat qu'on fait sur Race Room, il y a un garçon qui nous aide beaucoup pour les serveurs, Dimi, que je salue, qui aujourd'hui a découvert e-racing. Il s'est acheté un équipement Fanatec. Il ne roule quasiment plus sur rien d'autre parce que pour lui, c'était ça qu'il recherchait comme sensation et comme volonté dans son gameplay, dans son jeu. Donc finalement, tout le monde pouvait trouver le jeu qui lui allait et travailler dessus et rouler. Et c'est ça pour moi un joueur de sim racing. C'est vraiment ça, c'est te prendre pour un pilote et prendre du plaisir à développer une machine virtuelle et affronter les autres. Et tu vois, là, quand j'ai découvert iRacing chez Partail, je me suis dit, ouais, c'est vraiment un super jeu. Voilà, j'avais fait le choix à l'époque que la Team Factory GT s'était arrêtée de ne pas rouler sur iRacing parce que je savais les contraintes que ça allait m'occasionner dans ma vie privée. Tout le monde les a, hein, c'est ces contraintes-là. Alors, moi, j'ai une femme et des enfants. Voilà, donc c'est rouler sans cesse parce que tu payes un abonnement, ce n'était pas quelque chose que je voulais faire. Mais ça, il y a plein de gens qui. Mais le jeu est génial, quoi. Le jeu est vraiment super. C'est... Oui, et comme le disent certains de mes amis qui sont aussi sur le chat, il faut arrêter le jeu sur PC. Le problème financier n'est pas réel sur PC. Ça n'existe pas. Les gens qui disent. Ou qui crie à tue-tête, oui, iRacing, c'est inabordable, c'est un scandale, ça coûte autant par mois. Oui, mais si tu es un joueur console et que tu achètes un jeu à 60 balles tous les mois ou tous les deux mois pour renouveler ta ludothèque, on va l'appeler comme ça, de jeux, si tu es fan que de Sim Racing et que tu aimes iRacing, ben, qu'est-ce qui t'empêche de mettre le même montant qu'un nouveau jeu pour t'acheter un nouveau circuit ou une nouvelle voiture tous les 2-3 mois et continuer à évoluer dans le jeu? Mais dans ce cas-là, effectivement, tu dois entièrement dédier ton temps de jeu à iRacing. Et comme tu le dis, effectivement, c'est pas forcément possible quand on a une vie, dans certaines situations de vie. Comme tu dis, bon, voilà, toi, tu as une femme et des enfants. Moi, rien que moi, j'ai ma copine dans mon coin. Je peux te dire que le temps que je prends pour travailler pour YouTube, il y a des choses que je ne peux pas faire en plus. Je peux pas commencer à dire « Ah bah écoute, je vais m'inscrire dans un championnat, tu me verras encore moins, et finalement, je vais passer tous mes vendredis et samedis en essai et qualif, et dimanche, une course de 6 heures, et à la semaine prochaine. » Quoi. Tu lui diras, pour le podcast, ça prend qu'une heure et demie. Mais ça va. Mais ça, je ne pense pas qu'elle sera contre. De toute façon, si elle est contre... Hein. Voilà. Mais ouais, c'est des choix que chacun doit faire. C'est vrai que c'est un peu cher si on se rapporte sur le prix au mois, mais ça reste un abonnement. Mais le jeu évolue sans cesse. Il n'y a pas d'iRacing 2. Non, ça n'est pas jeté par les fenêtres, effectivement. C'est vraiment l'argent qu'on voit évoluer dans le jeu. Après, si tu en as marre, tu arrêtes. Ta voiture, tu n'y as plus accès. Enfin, tes circuits, tes voitures, tu n'y as plus accès. Bah, c'est comme ça. Mais si tu t'y remets, tu rachètes quelque chose, tu rachètes, et tu réactives ton compte, tu as de nouveau tout ce que tu avais accès. Oui, c'est le principe d'un abonnement téléphonique, finalement. Sur ton portable, tu payes ton abonnement tous les mois, tu as ton forfait. Si tu ne le payes pas, tu ne peux plus téléphoner. Quoi. Voilà. Donc, après, c'est un choix de chacun. C'est une pratique différente du sim racing. Il y en a plusieurs.
À la fédération, on en parlait beaucoup. Il y a des pratiques de simulation avec iRacing, il y a des pratiques de simulation avec Forza. De simulation, ça va choquer certains, mais on va dire de course virtuelle. Le niveau de réalisme n'est pas le même. C'est une vérité. L'engagement n'est pas le même, mais le plaisir que chacun y trouve, que ce soit des pilotes sur iRacing ou des pilotes sur Forza, pour prendre les deux échelles extrêmes de la palette, je pense que chacun d'eux trouve son plaisir. Si quelqu'un se plaît à jouer à Forza sur console, sur console et sur pad, s'il est content avec ça, il est content avec ça. Oui, voilà, c'est la satisfaction, voilà, c'est prendre du plaisir avant tout. C'est aussi des rapports humains. Il y a des ligues, chez Forza, chez iRacing, c'est un peu différent, mais il y a des ligues partout et on s'y sent bien, alors on y reste. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, je pense. Oui. Oui, sincèrement, oui, c'est ça. C'est quand je vois l'ambiance qui peut régner dans une équipe, quand j'étais au Mans sur Forza et que tu voyais les BAM et les TX3 qui avaient leur structure, qui avaient leur manager, qui avaient leurs relations, qui avaient tout ce qui gravite autour d'un, je veux pas être méchant, mais d'un vulgaire joueur, pour certains, d'un point de vue extérieur, on peut comprendre que même si c'est sur du Forza, Quand tu vois jouer un gars comme Lej ou Azix ou Anto, enfin j'en cite plein, mais même moi je commente la Porsche Cup sur Assetto pour nos amis des TX3, quand tu vois Maxime Batide, le PV qui roule comme un dingue et les autres derrière c'est pas des tendres non plus, tu te dis que voilà, que ce soit sur Assetto Corsa, sur Air Factor 2 ou même à la manette sur Forza, moi tu me mets devant Azix ou Lej à la manette, j'ai pas le même jeu qu'eux, ils sont dans une autre dimension, tu vois. Mais le principal c'est que moi, j'ai fini mon Forza, ma carrière, je suis content. Et eux, ils arrivent à en vivre et gagner de l'argent de leur côté. Donc, il y a vraiment... Tout le monde peut trouver satisfaction s'il trouve le bon support, je pense. Et c'est pour ça que pour moi, la pratique, c'est ça qui détermine, on va dire, dans quel département ou dans quel silo tu es pour une fédération, mais pour moi l'ensemble des pratiques devrait être, c'est mon avis, je sais qu'il n'est pas partagé par tous, même s'il y en a beaucoup qui le partagent, les pratiques doivent être vastes pour avoir le plus de nombre possible. Tu parlais tout à l'heure des constructeurs et des éditeurs. Si on est 2000 à une fédération francophone de sport auto virtuel, on va dire, pour pas choquer, si on est 2000 ou si on est 200 000, je pense que les éditeurs ne vont pas nous regarder de la même manière. Bien entendu, bien entendu. Et je vais dire une bêtise, mais je le vois à mon échelle. Les mails que je reçois en ayant ne fût-ce que 15 ou 16 000 abonnés comparé à ce que je recevais quand j'en avais 100 ou 1000, c'est pas comparable. La vision et l'intérêt que portent les gens parce que tu as une visibilité et tu as une communauté, et ça marche comme ça partout. C'est comme ça que ça fonctionne de toute manière dans le monde en général, je pense. Si tu as une communauté de 3 millions d'abonnés ou d'une visibilité, voilà. Je reprends, enfin, citer le GTX Challenge d'NVIDIA, s'ils ont appelé Mister MV et Zerator, donc Xavier et Adrien, pour commenter l'événement, c'est parce qu'ils ont une fanbase, une communauté qui peut rassembler et donner de la visibilité. Tu m'aurais demandé à moi et à Partaï d'aller commenter une course, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt pour eux en tout cas. Peut-être que techniquement ça aurait été bien, mais en termes de visibilité, c'est pas ce que recherchent des marques ou des partenaires. Donc comme tu le dis, une fédération, si elle est bien gérée, comme toute fédération, comme toute association, je pense, peut amener à être crédible et à évoluer dans le bon sens vis-à-vis des marques et des soutiens, des sponsors, et crédibiliser ce qui nous passionne depuis des années. Donc, mais il faut espérer que ça se passe. Mais en tout cas, il y a des gens comme toi et on citait la LSMV qui se bougent pour essayer de faire ça. Et je pense malheureusement que ce n'est pas de ma génération que va venir le premier pas ou le geste. C'est plus des gens qui sont de ta génération, si je peux dire, de ton expérience, qui ont un peu plus vécu et des choses de manière professionnelle, adulte, etc., qui peuvent se rendre compte de l'importance d'investir du temps à créer ce genre de fédération ou de choses. Donc voilà, on c'est est possible. Encore... J'espère que ça aboutira, parce que c'est, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est porteur. Toi, tu as fait d'ailleurs, j'ai regardé la course dimanche
C'était dimanche dernier, oui, c'est ça, mm-hmm. sur le Race Room et sur le WTCC. Oui. D'ailleurs, je voulais avoir ton avis. Il y avait deux manches. Il y avait la première division et la deuxième division. Tu as commencé par la deuxième division. Oui. Alors, il y avait un écart en termes de performance, ça c'est une évidence. Mais en termes de comportement, la deuxième division, c'était... Enfin... Comment dire ? Ils ont freiné à 6 de front au rectifilo, j'ai pas compris. Ouais, il y avait beaucoup de touchettes quand même. Hein. Mais c'est ça aussi qui est parfois dur à comprendre. Regarde, si on prend aussi à notre échelle, à nous, la Coupe de France FFSA, qui est donc supportée en partie par la fédération IRL, c'est beaucoup moins propre que ce que tu peux trouver sur le championnat WTCS de Race Room, qui est géré par deux gars qui font la commission à eux tout seuls, etc., et qui tient les pilotes au doigt et à l'œil en termes... Enfin, pas de manière excessive, hein, y a pas de zèle, mais je veux dire que si un pilote freine et fout un autre pilote dans le mur, on classe pas ça en fait de course. Et c'est vrai que là, je ne sais pas comment va... Alors, je vais pas te mentir, je ne sais pas comment se passe aussi le fonctionnement de la direction de course et des éventuelles requêtes qu'il peut y avoir concernant un fait de course dans ce niveau-là au championnat du monde. J'ai fouillé un peu dans le règlement, j'ai pas trop trouvé de solution à ce problème-là. Donc, je ne sais pas vraiment comment ça se passe, mais je vais vraiment dire que pour moi, la division 1 et la division 2, il y a vraiment, comme tu le dis, deux mondes. Après, je peux comprendre qu'il y ait aussi peut-être l'excitation, la première chicane à Monza, ce n'est pas le meilleur premier virage pour un championnat du monde. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, on s'attendait peut-être à mieux. Mais tout était très limite dans la première manche de l'e-sport WTCC. Mais ça a tenu en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des freinages sur trois roues, il y avait des appuis, il y avait des coups de portière et tout, mais ça n'a jamais eu de conséquences de tête à queue, de sortie ou de carambolage. Ça a toujours été limite. J'espère que ce sera encore comme ça pour la suite, parce que sinon, ça ne va pas être bon ni pour l'image de Race Room, ni pour l'image de certains joueurs qui sont quasiment tous issus justement de structures ou de ligues qu'ils défendent. Donc il y a beaucoup d'images qui peuvent être ternies si ça se passe mal. Mais j'ai été... Mais la première, la D1 était bien. La D1 était très très propre, oui. Ouais. Oui, mais la division 2, c'est vrai que c'était un petit peu... on va pas être aussi dur en disant que c'était comme un lobby ouvert, mais en tout cas, il y avait beaucoup plus de... C'était beaucoup plus permissif au niveau des freinages tardifs, des coups de portière, etc. Ouais. C'était beaucoup plus violent. Bah, il roulait à 3 secondes de la D1, déjà. Oui, c'est ça. Si c'est pas plus... Et pourtant, malgré ça, ils arrivent à se rentrer dedans. Voilà, donc, Et il faut savoir qu'ils ont été sélectionnés parmi je ne sais plus combien de centaines de participants. Donc, ce n'est pas comme si c'était les premiers venus qu'on avait pris et qui s'étaient mis sur la piste pour faire quelque chose. Donc, mais je peux comprendre voilà, que ça ne soit pas un atout, bien du contraire, pour le public et pour l'image, en tout cas. Mais c'est intéressant quand même, parce que ça veut dire, pour moi, moi, j'y ai vu un intérêt en temps de... Toi, tu parlais des articles tout à l'heure, que le contenu qu'on avait. Mm-hmm. Moi, je pioche des choses qui m'intéressent ou qui ne m'intéressent pas. Tu vois, là, ce qui m'a intéressé, c'est le fait que ce soit la FIA qui organise avec Race Room, ou l'inverse, on ne sait pas trop dans quel sens ça se fait, mais qui organise avec Race Room un championnat tagué e-sport. Et voilà, moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Et c'est, bon, je ne vais pas faire un papier aujourd'hui parce que j'ai pas encore assez de matière, j'attends de voir un petit peu comment ça va se passer, et puis il faut que j'ai un angle, on va dire. C'est ça que je cherche souvent, moi, dans nos contenus, on cherche toujours un angle. Là aujourd'hui je l'ai pas encore, donc il se peut que je vais avoir un angle, mais voilà, je peux t'en proposer un si tu veux. Je peux te donner le contact de notre ami Jean-François Chardon, qu'on salue si d'aventure il nous regarde, qui est développeur chez Race Room et qui gère de très très près le projet. Donc ça peut être aussi comment un développeur en vient à être appelé par une division qu'il a dans son jeu et monte un championnat e-sport, parce qu'après tout c'est quand même Race Room le support. Donc là tu aurais peut-être un point de vue intéressant par sa voix. On ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais, c'est pour le podcast ou pour un article. Ça sert toujours. Le garçon est belge et très, très ouvert et très, très agréable. Il a oui, peu... mais je crois que je le connais déjà. Ah, d'accord. Donc, C'est Slowest son pseudo, je crois. Alors là, tu m'en demandes beaucoup. Je ne l'ai jamais vu in-game, je sais simplement son nom, mais je ne sais pas quel est son pseudo. C'est pareil, il y avait un autre qu'on avait chroniqué à l'époque où on faisait des magazines. C'était Anthony Monteil, qui est le
sound designer de chez Restroom. Mm-hmm. C'est pareil, c'est des gens qui sont super passionnants à entendre parler, quoi. Mais oui, mais surtout que le son dans Restroom, hein, oh là là. Ouais, c'est un des points forts. C'est un des points forts du jeu pour moi. C'est le plus beau au niveau sonore. C'est Restroom. De ce que j'ai pu tester en tout cas. Alors il y a toujours la fameuse l'inconnu e-racing, en tout cas la valeur e-racing à classer. Mais dans hors e-racing, je peux vraiment dire que pour moi Restroom, voilà, la BM635 de l'extérieur en bord de piste, ou la M3E30, ou même la V10 Atmo que j'ai testé ici cet après-midi, c'est vraiment le son en vue extérieure et en vue TV, il est démentiel, quoi. C'est vraiment un travail très propre, quoi. Il y en a une que j'aime beaucoup aussi, je pense que les auditeurs pourront le dire aussi, c'est dans P15, la voiture, merde, comment elle s'appelle, une vieille voiture, la Ford Capri, la Zag Speed. Ah ouais. Oui, la Zag Speed du championnat DRM, le championnat allemand, ouais. DRM, ouais. Alors celle-là, elle est démentielle. Je trouve que c'est une des voitures, quand des gens viennent chez toi, j'imagine que tu fais essayer ton installation. Oui, ce sera encore le cas demain par certains voilà, amis qui passent. Voilà, c'est toujours passe, pareil. Ouais. Hein, c'est « Ah, trois écrans oh, !» et voilà, donc du coup, les gens, je leur fais toujours essayer celle-là. Et ce qui est drôle, c'est quand tu les fais essayer… Le bruit est tellement fort qu'il change la vitesse un petit peu avant. Oui, ils ont peur de casser, que ça explose. Ouais, alors que le contour fait un tour entier, en fait. C'est, oui, effectivement, il redescend classique. Jusqu'en bas. Ouais. Ouais. Il redescend jusqu'en bas. Et puis tu leur dis, si, tu peux encore appuyer. Non, mais elle hurle trop, là. Non, mais tu peux, tu vas voir. Et puis le moment où tu lâches la pédale de gaz, parce qu'il y a un turbo dessus, on parlait de bruit tout à l'heure. Le turbo, il me semble d'ailleurs que c'est un V6. Hein. Le bruit d'un turbo n'est pas un mauvais bruit. Hein. C'est juste que la manière dont est fait les F1 d'aujourd'hui font que ça génère moins de bruit. Ouais, c'est ça, en fait. C'est le dessin et de l'échappement et de la structure de la voiture qui fait que, voilà. Même les vibrations aussi, ça s'est fortement réduit de ce que j'ai pu lire aussi beaucoup. Donc. Mais bon, écoute, loin de moi l'envie d'arrêter cette conversation. Je pense qu'il vaut mieux parce qu'il y en a d'autres qui veulent. Mais écoute, on a fini avec la F1, donc finalement on a bouclé un peu la boucle de ce qu'on avait entamé il y a de ça une bonne demi-heure maintenant. Mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir ton avis. Merci. Rendez-vous du coup dans le podcast bientôt alors. J'espère. De répondre favorablement à ton invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée, Jackie. Merci. Allez, du coup, on va passer à quelqu'un d'autre. Alors effectivement, on est resté un petit peu plus longtemps avec notre ami Jackie, mais effectivement, c'était aussi l'une des personnes que je voulais absolument vous faire découvrir si vous ne le connaissez pas. Alors, je vous invite à aller voir le blog live-sim.com. C'est un blog dédié donc au SimRacing. On va effectivement jouer ensemble. On avait prévu de faire une libre antenne jusqu'aux environs de 21h30-22h. Donc, on est dans les temps. On va encore essayer de prendre deux personnes si je peux ou trois. Et je vois quelqu'un. Alors, j'ai un petit peu peur, mais je vais quand même y aller. Je squattais son chat il y a de cela encore deux jours. C'est un collègue YouTuber. Alors, je ne sais pas s'il m'entend. Bonsoir Giggs, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu t'es connecté du coup? On va attendre de voir avec le décalage du live, est-ce que tu nous entends? Il y a troll ou il n'y a pas troll de notre ami Giggs? Je ne sais pas honnêtement. Alors, ça joue. Oui, on va jouer. De toute façon, juste après, on va toucher justement à F1 2016 avant de laisser passer les autres jeux. Il y aura donc F1 2016 juste après. Ensuite, on fera normalement du Race Room, du Assetto Corsa, et on finira la soirée très très tard avec du Dirt Rally. Bon, malheureusement, notre ami Giggs ne peut pas nous rejoindre. Donc, on va donc malheureusement devoir passer à quelqu'un d'autre. Alors, je voudrais parler à notre ami. Il est sur le live. Bonsoir. Ah bah, salut. Bonsoir, monsieur Manet, je crois. Monsieur le pilote, bonsoir. Bonsoir monsieur Mackie. Alors, il faut savoir que j'ai rencontré ce garçon à la Formule E l'année passée et qu'il a couru vers moi pour m'offrir une tasse 24 heures du Mans avec une Nissan hybride dessus. Je l'ai accepté parce que mes parents m'ont bien élevé, mais le vomi commençait à remonter dans mes dents du fond. Comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va et toi ça va? Bah écoute, ça se passe bien, on a des bonnes discussions pour l'instant, la libre antenne est assez fournie, vous êtes 260 spectateurs, donc finalement il faut pas forcément faire du gaming vulgaire, bête et méchant pour intéresser les gens, discuter, et ça me fait plaisir, ça me rassure aussi que ça intéresse tout autant les gens.
Bah écoute, on va se faire un duo de comique alors. Oh là, raconte-moi une blague. Ah, tu veux que je te raconte une blague? C'est l'histoire, c'est une blague zoophile. C'est un mec qui rentre dans un bar. Pas de problème. Voilà, j'ai honte. Ah, si tu veux, j'ai une autre blague zoophile si tu veux. C'est, non, c'est non, bah non, qui... non, parce que j'en ai déjà un dans le live qui est en train de. De bouillir de, parce qu'il ne peut pas parler depuis tout à l'heure. D'ailleurs, il vient de se démuter, j'ai très très peur. Oh, allez. Les enfants, vous savez très bien que les blagues qui peuvent amener à un procès ne peuvent pas être dites sur un live chez moi, malheureusement. Mais non, du coup, tu m'avais dit que tu voulais parler photo, si j'ai bien vu sur le Discord. Oui, parce que sûr, toi, que quand je t'ai vu à la Formule électrique, j'avais vu que, comme moi, tu avais un magnifique appareil photo, n'est-ce pas? Oui. Ah là, un Nikon. Oui. Ouais, donc personne n'est parfait, donc c'est pas grave. Oh, salaud. Ah, mais fallait prendre un Canon. Et du coup, je voulais savoir un peu... fallait dire à mon revendeur de faire Canon en solde. Fallait faire des soldes avec les Canon et pas les Nikon. J'aurais fait un Canon, mon ami. Ah, c'est, ouais, c'est vrai. Mais j'ai hésité. Le 650D, il était... voilà, il n'était pas en solde. Il était 150 balles plus cher. Je les avais pas. Donc voilà, le 5200D, il était... Le D5200, pardon, était en solde, donc j'étais faible et voilà. Ah, tu as cédé au solde. Oui, mais c'est pour faire des photos de Renault, donc ça, enfin de Renault, la voiture, hein, donc ça tombe facilement en panne, donc faut pas de mode rafale. Oui, voilà, t'aurais pris un compact, c'était pareil. Voilà, voilà, j'aurais été rechercher mon vieux Siemens SL65, j'aurais pu faire d'aussi belles photos de ces bolides français. Du coup, je ne valide pas cette blague. Un bon vieux Polaroid, comme nous dit Emeric, effectivement. Du coup, donc tu voulais parler photo, dis-moi. Du coup, oui, je vais savoir si là, tu serais capable ce soir en live de sortir les plus belles photos que t'aies fait. Il nous racontait un peu, parce que moi aussi, je suis très photographe. Mm-hmm. Pour donner un exemple, quand j'étais au Mans, là où on s'est vu aussi d'ailleurs, c'est fou parce que le monde est petit. Quand on s'est vu au Mans, j'avais fait ce jour-là, c'était la première année où j'ai eu mon réflexe, j'ai fait 2595 photos. Oui. Voilà. Elles étaient toutes valables ou c'était 2500 avant tri? Non, elles sont pas toutes valables. Il y en a quelques-unes qui sont floues, mais tout bon photographe. Oui, bien sûr. Forcément, quelques loupées. Évidemment. Voilà. Même le meilleur, voilà. On est sûr que même Robert Doisneau avait demandé aux gens de se replacer parce qu'il n'avait pas eu le temps de remonter son Kodak compact, évidemment, comme on le sait. Non, mais sortir les plus belles photos, je t'avoue que comme ça, là, ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, les photos de voiture, ça risque d'être compliqué. Mais honnêtement, j'ai mon appareil depuis, je crois, 2 ans. Le week-end où je me suis le plus éclaté avec cet appareil photo a clairement été les 24 heures de Spa en 2015, où il faisait un temps magnifique et où je m'étais quasiment allongé par terre dans la pit lane qui descend le rouge à Spa, puisqu'en fait à l'époque nos amis de chez Cero avaient une bonne idée, oui ça arrive, ils nous avaient en fait laissé 2 stands où on pouvait accéder à la pit lane, en fait, il y avait juste 2 barrières Nadar qui nous empêchaient, et moi je m'étais allongé par terre dans l'huile et tout, et j'avais l'appareil au sol et je faisais quelques photos. Alors, pour être honnête, je ne sais pas si je peux faire confiance à mon ordinateur, je ne sais même pas si c'est branché. Est-ce que je peux éventuellement. Non, malheureusement, le disque dur contenant mes photos n'est pas actif, c'est pas une blague, hein. Il est vraiment vraiment pas actif, donc je peux pas vous les retrouver, mais oui effectivement ça m'a ouvert un nouveau monde, ne fût-ce que de pouvoir faire des photos du raidillon sans avoir une vue périphérique dégueulasse, de pouvoir aller chercher au petit matin les voitures qui sont écrasées avec les pneus usés, les débris de gomme là, quand tu vois la voiture en contre-plongée monter le raidillon de dos, c'est... Avec c'est... les traces noires des pneus des concurrents. Voilà les morceaux de Chatterton qui collent un peu partout. La réparation BTCC avec le gros scotch. C'est ça, les bandes de NASCAR, ils arrivent et ils se jettent dessus pour coller la voiture. Non, il y avait vraiment je vais pas dire un nouveau monde qui s'est ouvert à moi, mais vraiment un plaisir. Quand j'étais avec mon compact pendant des années dans la tribune, je faisais des photos aussi bien autant que possible, mais c'est vrai que voilà l'obtention. Alors je prétends pas être photographe du tout, c'est juste que maintenant si je fais des souvenirs, je peux faire des souvenirs en meilleure définition avec un meilleur matériel et je rate beaucoup moins de moments que je voulais avoir avec je commence à travailler aussi faire des photos de miniatures avec un objectif, faire un petit peu de macro, etc. Donc j'apprends tous les jours, je croise des gens qui sont avec des appareils dans des lieux différents et on échange et ils me disent ah tu sais que tu peux faire ça, etc. Donc c'est vraiment nouveau pour moi depuis un an.
Mais c'est un apprentissage et c'est tous les jours la photo, c'est un monde sans fin. Donc voilà. Ouais, c'est ceux qui veulent se faire plaisir avec des appareils photo, je le dis, il faut se faire plaisir. Si ce n'est pas avec un réflexe, mais au moins un bridge ou un hybride, parce qu'un Oui. compact, c'est mort, ça sert à rien. J'ai l'impression, en fait, le compact, c'est juste ça filme avec un écran derrière et que ça te fait une capture d'écran, de l'écran derrière. Oui, Des c'est ça en fois, fait. T'as rien. Tu peux pas travailler affreux. comme tu veux ton image en fait. Et Voilà. justement, tu en parles, mais au moment où tu es venu me voir au Mans, il y avait quelqu'un d'autre. Il y a Suzaman qui est là aussi depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé YouTube, qui justement apparaît sur le chat, qui lui aussi, je pense, était muni d'un appareil et qui m'avait dit un petit bonjour. Et qui, effectivement, beaucoup de gens me. Enfin, j'ai deux, trois personnes qui m'ont pris en photo. À Spa, notamment un jeune, alors malheureusement je ne sais plus son nom, un jeune garçon à lunettes que j'avais rencontré pendant un meeting à Spa au tout début que j'étais sur YouTube, qui m'avait reconnu. Et j'étais dans la tribune et j'ai une photo de moi en train de faire des photos avec mon réflexe et lui qui me prend en photo à l'autre bout de la tribune et qui fait Maxou, je t'ai vu, je t'ai pas dit bonjour, j'ai pas pu te voir et tout finalement. Et La enfin, photoception, quoi. voilà, c'est ça le truc que, tu sais, que tout le monde affiche et que t'avais dit à ta copine que en fait t'allais pas voir le match de foot et que tu passes à la télé dans la tribune, tu vois, le moment gênant. Ouais. Mais. Non, Écoutez, voilà, c'est c'est vrai. censé travailler. Ouais, on s'est tous fait avoir Oui, là-dessus. on s'est tous fait avoir une fois. Mais c'est vrai que la photographie, c'est vraiment quelque chose que j'aurais bien aimé faire dans la vie. Malheureusement, c'est quelque chose de très très compliqué, mais qui demande de l'apprentissage. Et bah, comme tout, hein, si tu as la passion et que tu as été un peu autodidacte dans ton éducation, tu as envie d'apprendre et de découvrir. Alors, petit message vite fait à Geeks, oui, j'ai vu, je te reprendrai juste après, du coup. Mais. Voilà, j'ai pas. Alors, évidemment, je suis très très loin des considérations de qualité et de guerre entre Sony et Nikon, entre effectivement Nintendo et Sega, entre console et PC, entre Pécard et À console. iRacing. Honnêtement, voilà, moi je suis satisfait à mon humble niveau de ce que j'ai comme matériel. Peut-être que dans un an ou deux ou trois, je me dirais merde, qu'est-ce que je fais avec ça? M'en faut plus, tu vois. Et oui, cette Ouais, fois, j'achèterai un Canon, d'accord. voilà, tu prends un Canon et puis c'est tout. Tu feras ce qu'on dit un peu, c'est pas possible. D'ailleurs, Tu je ferai un sais, crowdfunding pour m'offrir un Canon dès c'est l'année ça. prochaine. Puis ouais, c'est l'argent des abonnés qui paye. Franchement, on a payé, on veut de la qualité, quoi. C'est le minimum. Mais ne ris pas, mais honnêtement, si je faisais pas gaffe, j'avais très bien calculé mon budget quand j'avais acheté ce que j'ai pu acheter comme matériel. D'ailleurs, le micro avec lequel je vous parle, la webcam que vous avez actuellement, l'écran 4K, les lumières, tout ça, c'est grâce à vous. Même voilà, c'est même des bêtises, mais juste le pied de micro qui était cassé, j'ai pu en racheter un. Bon, vous ne le voyez pas, mais il y a un micro qui est là. Tout ça a pu être acheté grâce à vous. Donc si aujourd'hui je peux faire ce que j'aime dans la vie, c'est grâce aux gens qui sont mobilisés. Alors, effectivement, je tiens à m'excuser à tous les donateurs français qui ont demandé un t-shirt. Ça me coûte Oui. 16 balles pour envoyer un t-shirt de 140 grammes en France. Donc je vais, grâce à un ami, me rendre, parce que je suis frontalier avec la France, me rendre dans une poste française et envoyer depuis la poste française mes colis. Je pense que ça me reviendrait à 3-4 balles, quelque chose de beaucoup plus abordable. Ouais, ça coûtera moins Parce cher. que faut savoir Les que. fameux t-shirts. Voilà, la production des t-shirts avait coûté à l'unité 12 euros, pour être sincère. C'est un très bon t-shirt, enfin, c'est une qualité correcte, avec des imprimés thermocollés, donc un peu comme ce que vous avez sur les maillots tout faits de football ou d'équipementiers de sport auto et moto. Et je suis très satisfait de la qualité, je ne veux pas vous les envoyer dans des conditions atroces ou à un tarif absolument incroyable. Mais Genre voilà. via Pigeon Voyageur ou Ouais, bah si ça pas, prend. venez à Spa, hein. Si vous venez une fois à Spa, on peut se voir, hein. Moi, je vous le donne en main Non, propre, hein. toi tu viens les donner en main propre aux abonnés. Mais Ah ah. j'y ai pensé, je me suis dit, pourquoi pas faire un tour de France et aller remettre les t-shirts aux abonnés. Mais J'espère que t'as pas d'abonnés en Australie par contre parce que tu en chies. j'en ai, figure-toi, j'en ai au En Japon. Australie? Je crois, j'ai un Australien, j'ai un Japonais et j'en ai. Bon, évidemment, j'ai beaucoup de gens qui me suivent du Québec et du Canada. J'en ai un au Sioux. Attends. Au Sioux. Non, aussi où? Oui, je suis belge, excuse-moi. Ah, je suis désolé. Il y en a un qui m'avait envoyé un message il n'y a pas longtemps. Il dit, oui, je te suis de. C'est un pays absolument improbable. Il m'a dit, en fait, je suis en Erasmus et j'ai été envoyé là-bas pour, je crois, pour les langues ou pour apprendre la langue, etc. Donc c'était assez marrant, mais bon. Oui, j'ai des gens de partout. Si je regarde, faudrait que je montre une fois mon tableau d'analytique YouTube pour que vous voyez que je gagne bien 300 000 euros par mois, hein, évidemment, net d'impôts, Bah, avec la YouTube les monnaie. minimums, le minimum syndical, j'ai envie de te dire. Un youtubeur qui a pas 300 000, il a raté sa vie. Voilà, et si t'as pas, voilà, si t'es pas une Rolex avec ta YouTube Ah. monnaie à 25 ans, t'as raté ta carrière YouTube, on est C'est ça. d'accord. Non, mais T'as plus voilà. qu'à plier boutique.
Écoute, est-ce que tu vas aborder quelque chose d'autre? Parce que je me suis dit, je vais essayer de limiter à peu près à 15 minutes par personne, histoire de ne pas gérer trop de monde. Alors, aborder quelque chose d'autre, je réfléchis, je te réponds ça dans 15 10-15 minutes, minutes, Ali. oui. Écoute, je te Voilà, remets on dans va le faire pot et je ça. te reprends dans un quart d'heure, non? Voilà, tu m'auras dans le pot, puis tu vas me cueillir après. Bah si pas, rendez-vous sur le TS de Pitlane Motorsport, puisque je rappelle que Maxime est d'ailleurs pilote de la Formule 3 en Oui, WTCS. de la Formule 3, les voitures de course, pas les voitures d'anciens qui roulent juste après, non, la Non, Formule non, 3, non, hein. non, les vraies voitures modernes, pas les Voilà, les pseudo-tourismes. WTCC, là, Tu vas te les prendre Dragsters. attaquer par un gars en chemise blanche avec un logo BM sur la Ah, mais poitrine. je l'amène après dans le bureau du doc, je Ah l'amène. voilà, il sera amené au purgatoire après. Non, mais là, de toute façon, celui qui vient de parler, c'est un pilote de ses berlines. Il emmène ses enfants à chaque fois qu'il va conduire. Il a le maxi cosy à l'arrière, le siège bébé, C'est tu sais. ça. Il y a siège bébé, la roue de secours, il y a tout ce qu'il faut. Non, bah écoute, Max, je pense qu'on va se laisser Bah, ici si tu n'y vois pas oui, écoute. d'inconvénient. Il n'y a pas de problème, puis on essaiera de se recroiser un jour sur un circuit. Et qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? On a fait la Formule électrique, on a fait les 24 heures du Mans. Un Grand Prix en France? Au Paul Et Ricard? bah, L'année prochaine? écoute, tu iras boire Pourquoi un pas? petit Ricard avec Paul au Castellet. Oh là là! Ah, je suis fatigué, j'ai envie de rouler là. Mais ça ira, je pense qu'on se reverra peut-être au Grand Prix de France alors l'année prochaine. On va essayer d'organiser ça. Ça marche? Allez, à Allez. défaut de venir au Grand Prix de Belgique. Allez, salut. Allez, une partout. Bonne soirée, Max. Salut. Ciao. Et bien voilà, donc on va essayer de garder le rythme d'un petit quart d'heure. On va essayer de prendre encore une, voire deux personnes si on déborde pas trop. Bon, je retente Giggs. Est-ce que tu m'entends? Deuxième troll de la soirée? Si tu... Attention, parce que trois fois c'est banni la ban life. Non, eh bien je crois que Giggs définitivement m'a confirmé qu'on pouvait l'entendre et finalement pas du tout. Donc voilà. Est-ce que Giggs peut éventuellement... Est-ce qu'on peut lancer un petit whiz de la part de cette personne? Bah écoutez, non, on ne peut pas. Je peux changer éventuellement le volume de l'utilisateur. Je peux le bannir, l'expulser, le rendre sourd, le rendre muet. Mais visiblement, eh bien, c'est une déconnexion de Geeks qui vient donc de partir. Enfin, je suis là, mais tu n'es pas là, visiblement. Bon, on va laisser patienter un petit peu. Si vous avez des questions sur le chat, évidemment. Alors, vous êtes très nombreux, vous êtes 260, ce qui est hallucinant parce que c'est quand même énormément de monde pour des gens qui veulent simplement entendre discuter. Alors, vous discutez énormément sur le chat, il y a beaucoup de messages. Merci beaucoup. Ça se passe très bien, c'est très... Bon, Giggs, est-ce que tu peux nous sortir ton micro, s'il te plaît? Ou pas? Sinon, je vais me voir contraint de. Malheureusement, de céder la place à quelqu'un d'autre. Ce serait dommage. Depuis le temps qu'on essaie de se parler, c'est un peu comme Hydro, vous savez. On se parle sur Twitter toutes les 15 minutes avec Hydro, mais on ne s'est jamais parlé de vive voix. Et c'est un peu dommage. Bon, écoutez, on va laisser Geeks repartir. On tentera une troisième fois de retrouver notre ami Geeks. Bon, on va prendre quelqu'un d'autre. Normalement, nous sommes avec Drac905. Est-ce que éventuellement tu m'entends? Ouais. Ok, bonsoir, du coup, Drac. Bonsoir, merci. Mais bienvenue. Merci, merci. Alors, tu voulais poser une question peut-être? Oui, c'est ça. J'aimerais savoir, pour revenir à la F1, Oui. qu'est-ce que tu penses en fait du moteur Honda d'Alonso et Van Dorn? Écoute, pour donner un avis sur quelque chose, il faudrait pouvoir le voir, l'entendre, le voir fonctionner. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je pense exactement la même chose que toi. C'est que moi, je veux bien faire une critique ou en tout cas donner mon avis sur le moteur, mais il faudrait pouvoir le voir tourner une fois, quoi. C'est le sujet tabou en ce moment. Et pourtant, le mec qui dit ça, il a un Polo Stoffel Van Dorn, hein, Exactement. Je suis fier de mon pilote et de mes couleurs, même si ça ne se passe pas bien. Moi, personnellement, ça me dit. Mais que dire si ce n'est que c'est un scandale et que ça n'est pas du foutage de gueule si ce n'est pire parce que quand tu vois la mascarade à laquelle on assiste, honnêtement, je vais dire quelque chose. Je sais pas ce que tu en penses, mais si ça n'avait pas été Alonso dans la McLaren, que ça avait été Magnussen ou Button à côté de Van Dorn, est-ce qu'on se serait autant étonné du non-fonctionnement d'un moteur Honda? Non, je pense pas. On a l'habitude de voir Alonso en haut, en fait, je pense. Voilà, c'est ça qui choque. Parce que Stoffel soit 17, 15e ou 13e ou 20e avec la voiture, on se dit, bon, il a fait 3, 4 Grands Prix, c'est peut-être pas forcément ce qu'on attendait de lui, c'est pas forcément le meilleur pilote. Enfin, ça n'est pas le meilleur pilote, mais en tout cas, ça serait beaucoup plus logique qu'on aurait ça
avec Alonso et je ne sais pas en face, même Hamilton qui viendrait chez McLaren, je ne sais rien, j'invente, mais déjà l'année passée avec Button, on avait quand même quelque chose qui était à la limite du convenable, mais il finissait les courses en 2016. Les voitures terminées encore quand Button il abandonne, je crois, à Abu Dhabi en fin d'année, c'est sur un souci de suspension, c'est pas un problème moteur. Il y avait des soucis. Pourquoi ça s'est accentué cette année? Est-ce que Honda a pas préparé le passage à la nouvelle réglementation et que les moteurs sont mal adaptés au châssis? Visiblement, c'est beaucoup de problèmes électriques. On parle beaucoup de MGU-K et de MGU-U, je crois, ou MGU-G. Donc, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de soucis à ce niveau-là et malheureusement. C'est pas la faute de McLaren, c'est que McLaren est pris dans un contrat. Enfin, après, je sais pas ce que toi tu en penses de ce moteur. Ah non, je pense la même chose. Je pense que le moteur est complètement. Bah, y a que des problèmes. Et, je sais pas si tu avais vu à la fin du Grand Prix de Bahreïn, Vandoorne avait eu aucun problème avec la McLaren et il a réussi à finir quatrième juste derrière Bottas, je crois. Attends, quatrième Vandoorne ? Ouais, en fait. Ils ont réussi à faire après les essais qu'il y a eu juste après. Oui, pardon, les essais effectués à Bahreïn. Ouais, juste après le Grand Prix. Oui, ils pardon. Ils ont réussi oui. à faire une séance et Vandoorne a vraiment très bien fini. Oui, je crois qu'ils avaient même pu faire une soixantaine de tours, enfin vraiment ouais, quelque chose de conséquent. Plus de 90, je crois. Voilà, donc vraiment, oui, ça marche, mais quand il marche en fait. Et est-ce que Alonso et Vandoorne ne roulent pas à l'économie justement, comme on entend souvent dans les teams radio. Alors on nous fait entendre ce qu'on décide aussi, mais il y a aussi le côté dès qu'il y a un message négatif qui est renvoyé à l'équipe, on va le passer à l'antenne, à la TV par exemple, et ça c'est aussi ce qui continue à faire perdurer cette mauvaise image de Honda, ce qui n'est pas faux de toute façon, parce que voir Vandoorne qui démarre pas, qui part dernier, qui prend 15 places de pénalité, Alonso qui finit pas le tour de formation... Premier et deuxième Grand Prix, je crois qu'ils ont tous les deux eu des problèmes aussi. Oui, bien sûr. Oui. Alors, je sais plus. Alors, honte sur moi, je crois que Vandoorne a fini le Grand Prix de. D'Australie, oui. D'Australie. Oui, je crois aussi. Je crois qu'il l'avait fini. C'est d'ailleurs ce qui lui permet en plus d'être. D'être devant Alonso encore au championnat aujourd'hui. Parce que moi, je me rassure en me disant ah oui, mais Alonso, il est derrière Vandoorne. Donc, moi, je suis toujours rassuré quand quelqu'un me dit que tu supportes McLaren. Mais je supporte McLaren Honda, comme j'ai supporté McLaren Mercedes, comme j'ai supporté McLaren pendant des années. Même si quand j'étais petit, j'étais pas fan de McLaren. Mais en tout cas, c'est pas le moteur qui ne fonctionne pas qui va me faire quitter McLaren pour devenir fan de Ferrari ou de Red Bull. Il y a ici quelqu'un qui est dans le TeamSpeak, mon pote Ebrick. Il est fan de Ferrari depuis des années. Il sort d'un tunnel dans lequel est en train de rentrer pour moi McLaren. C'est-à-dire que c'est une longue traversée du désert, je pense. Alléluia. Voilà. Ouais, ça fait plus de 5 ans. Quand tu vois que Ferrari n'a plus fait une première ligne depuis, je crois, Manicourt, il y a 10 ans. Bah, je crois qu'ils l'ont fait là, ce week-end. Justement, déjà. Oui, c'était la première fois depuis Manicourt 2008, si je dis pas de bêtises, U8, qui avait deux Ferrari sur une première ligne. Mais oui, Honda est un poids pour McLaren. L'erreur de Honda, ça a été de se lancer un an après les autres, parce que s'ils avaient eu leurs problèmes en même temps que les autres, je pense pas qu'ils en seraient là. Le deuxième souci de Honda pour moi, c'est de n'avoir fait confiance, en tout cas de n'avoir autorisé qu'une seule équipe à avoir leur moteur. Ça réduit énormément la quantité de données. Là où tu vois que Mercedes, Renault ou Ferrari ont plusieurs équipes. L'année prochaine, ils vont avoir Sauber. Je sais pas si c'est la bonne solution. Ah bah non, c'est une équipe de fin de classement, donc bon. Voilà. Alors est-ce que, justement, une équipe de fin de classement va peut-être pas non plus aider à accumuler des données et permettre à l'équipe de pointe qui est censée être McLaren d'avoir... plus de se concentrer un peu plus sur le fond et la performance pure, alors que ce qui est petit test, etc., pourrait être fait en termes de temps de développement, de travail sur le moteur. Est-ce qu'on va pas donner des petits trucs à faire sympas, pas très contraignants à une équipe comme Sauber, et se concentrer sur le plus important chez McLaren avec ces deux équipes? Je sais pas, perso. Il n'y a qu'une seule année où McLaren et Honda, c'était bien. C'était avec Senna, je crois. Oui, bah McLaren Honda, ils ont été titrés en 80... Alors, attends, parce qu'il faut plus que je dise... 87, c'est piqué. Donc, 88, Senna, champion sur McLaren Honda. McLaren. 89, Prost, McLaren Honda. 90, Senna. 91, Senna. Et 92, quand Senna et Berger roulaient avec Honda pour la dernière fois.
Ils ont quand même fait pas mal de choses hein, face à la Williams de Mansell. Donc le combo McLaren-Honda a fait rêver. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont vraiment pas eu de chance parce qu'ils avaient tellement à hériter de l'histoire de la F1, de l'histoire du moteur, de l'histoire de l'équipe, de ce que ça représentait, les titres de Prost, de Senna. Ça, c'était tellement lourd pour eux qu'il fallait pas que ça merde. Et pas de bol, ça merde. Voilà. Et je le dis effectivement, oui, quand tu vois Alonso qui dit GP do engine, enfin avec un meilleur accent anglais, mais que c'est inacceptable, pardon, etc. Tu peux tout à fait le comprendre. Et je comprends pas qu'un mec comme Alonso, à l'âge où il a, continue à croire que ça peut mieux fonctionner. Je ne sais pas ce qui le tient. Alors certes, il va aller s'amuser en IndyCar. Je le vois pas gagner l'Indy 500 parce que ça beau être un beau pilote de F1. L'IndyCar, je trouve que c'est très méprisant aussi pour l'IndyCar de dire oh je vais venir, je vais gagner. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je trouve que Alonso vient gagner l'Indy 500. Je trouve ça limite. Je trouve ça un manque de respect pour les autres pilotes qui font ça. Genre... Alors, oui, alors que tu vois, par exemple, regarde, je prends l'exemple de Bourdais. T'as vu où il est maintenant? Alors qu'il a été en champ car dans les années 90, il a été dominateur. Bon, il avait une très bonne équipe, mais il avait été dominateur dans les années 90. Il vient en Formule 1, il se fait détruire parce que manque de bol, il tombe sur Vettel. Et il revient en champ car, enfin en IndyCar, pardon, maintenant. Et il cartonne. Donc, il y a vraiment... Enfin voilà, je trouve que c'est très méprisant qu'Alonso a dit « Bah écoute, Monaco, finalement, je m'en bats un petit peu, je vais aller faire l'IndyCar comme si... » Comme si ça était mieux pour les gens. Voilà, comme s'il allait « Bon, je vais rester chez vous, mais si je peux aller faire ça, si je peux aller faire ça, si je peux aller faire Le Mans, si je peux aller faire ci... » Ils vont faire Le Mans, d'ailleurs, je crois. Et je pense, mais alors chez qui, pour l'instant, je vais te dire, je sais pas chez qui il peut trouver un lien. Je crois que j'ai entendu, ils vont le faire chez McLaren et il y a Webber et Button qui seront dans l'équipe. Avec une McLaren? Avec une McLaren. Mais en proto ou en GT? En GT. Ah d'accord, donc McLaren reviendrait au Mans, avec des GT. Je crois que c'est la 650S qui va revenir. Ah d'accord, en catégorie. Ah bah pourquoi pas. Ma foi, pourquoi pas. Ce sera intéressant face aux BM et aux nouvelles Aston et tout, ça peut être sympa. Bah ça, tu vois, tu me l'apprends. Je savais pas que c'était déjà... J'ai entendu ça sur Facebook. Oui, bah en tout cas, hâte de voir ce que va donner Alonso et surtout McLaren Honda à l'avenir. Oui. En GTE, il y a McLaren, Lamborghini. Excuse-moi de t'avoir coupé. Hein. Non, vas-y, je t'en McLaren, prie. McLaren, Lamborghini et la fameuse BMW. Il n'y a pas Bentley qui avait aussi annoncé ou c'est... Non. Non, Bentley, non. J'ai sûrement rêvé. Mais voilà, donc il va y avoir des marques, il va y avoir des constructeurs, il va y avoir du niveau. Alors est-ce qu'Alonso, à son âge, va pas commencer à se dire bon, je vais plutôt me diriger, j'ai fait mon temps, j'ai eu deux titres, j'ai jamais été capable de développer une voiture, que ce soit chez McLaren, chez Renault ou Ferrari. J'ai eu deux titres avec deux bonnes voitures, la meilleure voiture. Alors, je vais sûrement mettre des gens à dos, mais pour moi, Alonso ne s'est pas développé une voiture. Il n'a jamais su le faire chez Ferrari en 5 ans, il n'a jamais su le faire chez McLaren ni chez Renault. Il a fait quand même 3 fois vice-champion du monde en étant chez Ferrari. Alors, oui, il finit 3 fois vice-champion du monde, et je crois que pour 12 points ou 11 ou 12 points en plus, il est 5 fois champion du monde. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que face à Petrov, il n'a pas eu de chance en 2010 à Abu Dhabi. Donc, effectivement, il y a la chance, mais la chance, ça fait aussi le tout. Est-ce que tu aurais parié à l'époque que Vettel allait être champion alors que c'était un duel Weber-Alonso? Ouais, mais en plus il a commencé chez une toute petite écurie en Vettel. C'était BMW, du coup c'était pas si petit que ça, mais. C'était Sauber motorisé et soutenu par l'équipe BM en 2007, ouais, quand il a commencé aux États-Unis après l'accident de Kubica, je crois, au Canada. Ouais. Qui était d'ailleurs... Voilà, mais regarde, Vettel c'est pareil. Vettel il fait un Grand Prix en 2007, il marque un point. Et à l'époque c'était les 6 premiers qui avaient des points, pas les 8, hein, je crois. Ouais. Donc c'était une belle perf, donc le gamin est vite, mais c'est pareil, Vettel cette année pour moi il va gagner, alors je vais vraiment mettre tout le monde à dos, hein. Pour moi si Vettel est champion cette année avec Ferrari, ce sera son premier vrai titre acquis avec une équipe avec une autour voiture, de lui. Avec une vraie voiture. Voilà, de A à Z une quoi. Trop forte. Après voilà, après si tu pars de ce principe là, tu peux aussi enlever les titres à Senna parce que la McLaren en 88 était la meilleure, tu peux remettre tout en doute. Ils ont de l'expérience, ça se voyait que leur style de pilotage, ils faisaient quelque chose aussi. Ils n'ont pas gagné. À l'époque, tu arrivais en F1 beaucoup plus âgé aussi. Oui, c'est vrai aussi. Quand tu vas Verstappen, il fait F3, F1. À l'époque, Senna, il avait fait Formule Britannique en Formule 1600, Formule Ford 1000, enfin Formule Ford 700, Formule 3. Voilà, il n'y avait pas autant de classes que maintenant non plus. Tu n'avais pas le GP2, GP3, la Formule Renault, tu n'avais pas tout ça à l'époque. C'était beaucoup plus simple, c'était F3, F1. Mais après, tu avais les F2, les F5000 dans les années 70 et 80 à leur époque. Mais honnêtement, je ne sais pas si aujourd'hui on peut espérer voir Honda remonter la pente avant au moins 2 bonnes années de développement et avec au moins 2 équipes en plus, même si ce n'est pas les meilleures. À voir, sincèrement. Mais déçu, oui, certainement. Honteux, oui, certainement. Mais sans espoir, non. Il y a toujours un petit espoir.
Pour revenir à Lando, je pense qu'il va partir de chez McLaren parce que là, il est en train de passer sa deuxième pire saison et ses deux pires saisons, c'était chez Minardi. Oui. Et les deux dernières, trois dernières années chez McLaren, on va dire, même si 2016 n'était pas non plus horrible, horrible. Et il a toujours pas fini une course, je crois, Alonso. Je crois qu'il a toujours abandonné avant la fin. Oui, et les deux fois où il pouvait terminer la course, enfin notamment la fois à Bahreïn, il a dit que si j'avais une voiture qui arrivait au bout à deux tours de la fin, j'arrête. Si, il a dit ça, il avait dit à l'époque, il a dit si j'ai une voiture capable d'aller au bout à deux tours de l'arrivée, j'arrête et je rentre pour emmerder Honda. C'est ce qu'il a fait à Bahreïn, hein. Il était bien, et à deux tours de la fin, non, finalement, je vais rentrer. Et c'est ce qu'il avait dit pour emmerder le monde, quoi. Et je Enfin, crois qu'en plus sa voiture, non, sa voiture, elle avait eu un problème en plus. oui, non, mais bon, c'est ce qu'on entend dans le paddock et ce qui se dit dans les médias, il faut s'en méfier, hein, parce qu'on peut tout croire. Écoute, ne m'en veux pas, Drac, mais si tu n'as plus d'autres questions, Non, il y a non, c'est bon. non? Ok, c'est cool. Est-ce que tu es satisfait de la réponse que je t'ai donnée, de mon point de vue? Oui, clairement. Ça va, bah, de toute façon, si c'était pas le cas, tu pouvais le dire aussi, il n'y a pas de souci. Parce que je dis ça de manière un peu agressive, mais non, c'est voilà, est-ce que ma réponse te satisfait? En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de patienter aussi avant cette libre antenne. Et bah voilà, j'espère te réentendre et rediscuter avec toi dans un avenir proche, qui sait. Moi aussi. Allez, une bonne soirée, et si tu veux, n'hésite pas à venir rouler avec nous après sur les différentes simures. C'est ce que je vais faire. Ça marche. Allez, à tout à l'heure. J'espère. Voilà, alors, ultime et dernière tentative, mon cher Geeks, est-ce que tu m'entends? À vous, Cognac G. Léon? Oui. Allô? Oh oui! Le youtubeur qui sait ouvrir son micro, oui! Je crois que C'est tu un as mis plus scandale. de hype que les couleurs de la McLaren cette année, quoi. C'était. Waouh! C'était la question du jour, attends. Mais du coup, bonsoir! Bonsoir à tout le monde. Voilà, Nouveau donc Geeks, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui ne te connaîtraient pas? Puisqu'on rappelle, tu as 50 millions d'abonnés, évidemment. Tu vas ouais. bientôt battre PewDiePie. Je l'ai battu là hier, ce soir. Ah, j'ai pas vu, c'était cette nuit, j'aurais dû tweeter, excuse-moi, j'ai pas eu le temps. Bah oui, il fallait. Dis-moi. Bah du coup, on va se présenter. Alors oui, j'ai galéré. Alors en fait, j'ai pas vu que j'avais activé le push to talk sur Discord, donc je parlais dans le vent, tout simplement. Ah, C'était drôle. désolé. Oui, non, j'ai laissé ça au cas où Non, mais c'est si quelqu'un pas. avait un son un peu dégueulasse. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, du coup, je fais des vidéos comme Maxou. Bon, après, le contenu, il est moins bien que la moitié des youtubeurs qui font des vidéos de F1. Mais Faut pas après, la dire ça. particularité, ouais. La particularité, c'est que après, je fais de la compète sur F1 2016. Donc, Yep. Tu fais partie aussi du Real Championship qu'on connaît bien. ouais, c'est ça, ouais. Real Championship. Et là, j'ai fait la course de la OR dimanche. La vidéo devait sortir aujourd'hui, mais j'ai eu un problème. Donc voilà. Ah, mais comme je te comprends, les problèmes de vidéo, les problèmes de rendu, les problèmes d'upload. Voilà, moi je suis rentré chez moi ce matin et ma mère m'a de manière charmante exprimé que oh, tu sais, Maxime, il n'y a plus internet, y a eu plus internet ce matin de 7h à midi, et là tu dis bah, j'ai un live ce soir, c'est cool. Donc non, je comprends tes déboires Ouais. Avec la technique, je sais ce que c'est, je peux comprendre. Et d'ailleurs, j'attends toujours que tu m'envoies mon PC, hein. Non, je déconne, Oui, non, oui. Déjà, faut que mais j'envoie un micro à Hydro. Parce que nom de Ah Dieu! oui, ah oui, je l'avais vu ça sur Twitter d'ailleurs. Ah non, il faut que je lui envoie un micro, faut faire un crowdfunding, parce que comment il peut faire de si bonnes vidéos niveau montage et ne pas avoir un bon micro? C'est dramatique. Ça serait mille fois mieux pour lui, je pense. Ouais, c'est vrai. Mais après, moi, ça me choque pas parce que moi, enfin, mes vidéos elles sont de qualité assez basse vu que je fais tout sur PS4 en fait. Le montage, le commentary, le rendu, c'est que sur PS4. Ouais, et l'export doit être un peu galère, non? Ben, je pense que ça pourrait mettre 2 heures de moins en fait à chaque fois pour mettre la vidéo en ligne. Mais bon, voilà, j'ai pas le PC. Si j'en avais un, je l'ai. Enfin, j'ai offert, puis il a rendu là une semaine après, carte graphique mort. Il a pris feu le truc. Je sais, ouais, je sais, je peux comprendre. Je sais ce que c'est. Ouais, moi, j'ai perdu. À l'époque, en fait, je travaillais au tout début. Enfin, je dis à l'époque. À l'époque! Non, au début, quand j'ai commencé, je travaillais de manière bien différente de comparé à maintenant. Et ce qui était très marrant, c'est que je pouvais me retrouver avec une semaine de vidéos sur mon disque dur, et d'un coup, j'entends. Voilà, donc c'est comme ça que Et tu on perds une recommence. demi-saison d'STW tournée sur Ray 07, donc il faut réinstaller le jeu, remettre les mods, ne plus que ça plante, tout ça, tu vois.
Donc, c'est fini de prendre l'avance. Je ne fais plus. Ouais. Non, mais voilà, si... Si tu as des soucis techniques, si je peux te conseiller un truc, alors rappelle-nous, tu as combien d'abonnés, vite fait 1450 la dernière fois que j'ai regardé. Voilà, je te rassure, moi à l'époque j'avais environ 1800-2000 abonnés, j'ai mon disque dur qui a lâché, j'avais mis en place un système de dons, et en 48 heures j'avais eu assez pour me racheter un disque dur et pouvoir continuer à faire mes vidéos, donc... Si ouais, voilà, enfin, j'ai pas reçu 1000 euros, hein, mais j'ai reçu de quoi acheter un disque dur classique, un Western Digital, je crois que j'avais pris un 500 gigas, vraiment quelque chose pour continuer à travailler en fait. Donc ouais, voilà, n'hésite pas à te faire aider par les gens qui t'aiment, parce que s'il y a des gens qui te suivent et qui apprécient ton boulot, ils vont t'aider sans problème. Est-ce qu'il y a des gens qui m'aiment ? Alors ça, c'est toute la question, mon cher, je ne peux pas... en tout cas, je sais qu'Hydro, lui, te déteste, puisque sur le chat, il n'arrête pas de te troll depuis tout à l'heure. En fait, je pense qu'il est amoureux de moi, mais tu sais, qui aime bien, je t'attire bien. Effectivement, mais bon, ça, tu sais, hein, les amours sur Internet, à part faire 8-12-12 pour savoir si elle t'aime encore, on n'a pas grand-chose de garanti, hein, donc voilà. Ouais, c'est ça, il n'y a rien d'officiel. Mais ce qui serait cool un jour, c'est que... Tu vois, tous ceux qui sont dans l'environnement un petit peu qui commencent YouTube et tout, Maxou, du coup, Hydro et tout, on se croise un jour, ça serait vraiment énorme. Mais un grand plaisir, honnêtement. Franchement, moi, quand je vois le boulot que vous faites, je trouve ça honnêtement. Alors, c'est pas du léchage de couilles honté, hein, parce qu'il y a des gens que je déteste, hein, tu le sais, je pense. Oui. Et merci d'ailleurs de ne pas en parler, c'est très respectueux et très gentil de ta part, de ne pas l'évoquer. Mais non, honnêtement, les gens qui ont un concept, qui ont un fond et qui ont une démarche qui pour moi est saine et passionnée, donc je pense toi, Geeks, Partaille, il y a Nakuni qu'on voit plus beaucoup, qui faisait aussi pas mal de sim racing, oui, se rencontrer ça peut être cool. Alors dans ce cas-là, je propose aux grosses boîtes qui nous écoutent, donc style Asus, Nvidia, Trustmasters, faites-nous des challenges sur des jeux de bagnole. Il y a des gens que ça intéresse. L'ESL fait bien des championnats d'Europe sur Pécard. Pourquoi pas tous se retrouver, faire une compète. J'ai eu l'occasion de le faire quand je suis allé au Race Off de la Formule E, rouler avec nos amis de la communauté Forza. C'était génial. J'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas du tout, qui ont des 10 fois, 100 fois plus de communauté, enfin une communauté 100 fois, 10 fois, 1000 fois plus grande que la mienne, ou que la nôtre en tout cas. j'ai connu les AR en Angleterre et en Irlande qui sont très connus sur Forza, Niklas Krellenberg, le joueur allemand qui joue sur Forza aussi de Gaming Libertines. C'est des gens dont j'ignorais totalement l'existence. On s'est rencontrés, la seule fois où j'ai pu rencontrer des gens comme, on va dire, comme nous, hein, comme ça c'est clair, des gens de notre type, de notre profil, on va dire, c'est quand je suis allé chez Nvidia à Paris pour voir pour découvrir le PC Racer, où j'ai vu des gens de chez Inside Sim Racing. Il y avait Arava qui était là, il y avait The Slap Train. Ah ouais, voilà, tu vois, il y a plein de gens qui Arava que tu connais certainement. Oui. Mais voilà, mais ce sont des petites opportunités qu'on a de se retrouver, et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de choses mises en place, ne fût-ce qu'en France. Même si moi je suis pas dedans, je m'en fiche, c'est pas grave, mais ne fût-ce qu'en France. On en parlait justement avec Jackie qui était avant toi ici avec moi. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose de portant et de qui fonctionne, ouais, quoi. Malheureusement, on a eu une première vague de fonctionnement et de mise en avant du sim racing il y a un an et demi, deux ans, qui s'est fait avec les mauvaises personnes. Et qui donc a calmé, donc je pense à une certaine personne du sexe féminin, que je ne citerai pas non plus parce que je ne veux pas de procès, hein, encore une fois. mais si tu savais des fois ce que je reçois. Hein, non, mais certains peuvent prendre ça à la rigolade, mais des fois tu préfères pas citer pour pas avoir de diffamation et des bêtises comme ça. Mais des choses qui se sont faites dans le passé par des gens qui s'occupaient de jeux vidéo, mais qui s'occupaient de jeux vidéo comme ils s'occupaient de compétition sur CS, sur LOL, etc. qui n'avait pas le sentiment d'être passionné par les voitures et donc ne pouvait pas comprendre ce qu'était un joueur de sim racing. Parce qu'un joueur de jeu de voiture ou de sim racing n'est pas un joueur de CS, un joueur de LOL, etc. C'est un profil spécifique. Et ça, ils l'ont pas du tout compris. Ils l'ont pas du tout abordé comme si... ils n'ont pas du tout pris en compte. Ils pensaient que tu faisais une compétition sur un jeu de bagnole comme tu fais une compétition sur un jeu de LOL ou sur un LOL ou un Counter-Strike. Quoi. Et c'est pas du tout le cas. Alors que voilà, ça balance sur le chat. Voilà, c'est pareil. La finale du championnat de France Forza au Mans, on avait un partenaire qui avait installé Wii Volant.
enfin, huit volants. Les huit volants huit ont volants. Été, les huit volants ont été retirés et les huit joueurs ont joué, ils ont tous joué à la manette. Ouais, c'est affreux. Mais voilà, parce que les gens savent pas ce que c'est d'être un joueur sim racing, ils savent pas ce qui est important pour selon le jeu, selon la plateforme, etc. Quoi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux. On est compliqué, hein. On est chiant les joueurs de jeux de bagnole, hein. C'est connu. Ah oui, moi, t'es sûr que si un jour il y a de la compétition et qu'on met un volant et qu'on met pas la roue de Ferrari. Ah, ça ne va pas. Mais tu peux. Alors, je t'invite à aller sur des sites genre Vistaprint, tu sais, essayer d'imprimer des autocollants Ferrari et tu colles. Tu sais, tu colles sur ton volant. Je te rassure, moi j'ai fait mon 599 XX Evo 30, le volant rond, le grand volant 30 cm. Il est repeint BMW. Il y a le logo, il y a les bandes Motorsport. C'est pas Ferrari. Hein. Alors, désolé. Désolé pour toi. Mais non, mais ça je peux comprendre tout à fait. C'est ça aussi, tu vois, c'est des choses que peuvent pas comprendre des mecs qui organisent des compétitions de jeux de bagnole. Oui, qu'est-ce que ça peut te foutre pour lui? Qu'est-ce que ça peut lui foutre que t'as logo Ferrari, Porsche ou Ligier dessus? Il s'en fout, il sait pas ce que c'est, tu vois. Mais pour nous, c'est important. Mais c'est ça qu'il y a toujours une différence entre nous et les autres. Quoi. Mais du coup, tu avais une question particulière ou hormis ce plaisir que j'ai à discuter avec toi? Ouais, bah moi aussi, c'est un grand plaisir. Bah non, en fait, j'avais pas de questions. Enfin, tout simplement, je pensais même pas venir sur le live, du coup, enfin, parler sur le live. Mais non, je voulais te féliciter par rapport à tes vidéos, en fait, surtout ton contenu, parce qu'après le pilotage, enfin, je l'ai déjà dit, voilà, tu vois, enfin, moi, on va dire que je m'entraîne souvent, donc forcément, tu vois, mon pilotage, il est pointilleux et tout. Mais franchement, la qualité de tes vidéos, c'est quand même un truc de malade. Franchement, ouais, c'est sûr, quand on voit Hydro et tout, on se dit, putain, il mérite plus d'abonnés, mais toi aussi, t'en mérites quand même un bon paquet, quand même. Bah, abonnez-vous. La publicité, abonnez-vous. Ouais. Non, mais c'est clair. Non, moi, mais après, j'ai découvert Hydro à 1200 abonnés. J'ai fait, mais ce mec doit en avoir au moins 10 000 de plus, honnêtement, sincèrement. C'est le boulot qu'il fait entre le montage de ce qu'il a comme contenu de son issu des vraies courses, les images, les montages qu'il fait, le boulot, le temps de montage. Sache, tu sais, toi aussi et moi aussi, on sait ce que c'est. Il fait, enfin, c'est un boulot de taper, quoi. C'est... Bah oui, c'est ouf. Hein. Mais voilà, mais après, okay. Voilà. Oui, vas-y, pardon. Ouais, je voulais dire, oui, on le voit pas forcément, les gens ils le voient pas forcément, ça, alors que on pourrait balancer la vidéo comme ça, on commente en direct, ou il y en a, ils le font et ça marche très bien. Mais moi, même toi, je pense que même Hydro, je pense qu'ils veulent pas se contenter à ça, et ce que vous faites, c'est vraiment un truc de malade, les mods et tout. Qu'est-ce que j'aimerais être sur PC pour faire comme vous en vrai? Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est ça aussi, c'est que ça donne des opportunités. C'est tout bête, mais regarde, ma troisième année dans ma carrière F1. Alors par contre, je sais que le délai entre mes épisodes est atroce, mais dites-vous que pour un épisode d'une heure, il me faut entre 10 et 12 heures de boulot. Donc voilà. Je compte 10-12 heures sans compter le rendu, hein, parce que le rendu, c'est pas du boulot. Hein, le PC tourne tout seul. Ouais, le rendu, c'est chiant. Ça. Voilà. Mais ici, j'ai quelqu'un, Hugo, je crois, qui m'a contacté et qui m'a dit, écoute, si tu veux, moi, je mode et je veux bien te faire ta saison. Qu'est-ce que tu veux? Quel pilote? Quel machin? Et ça, j'en suis incapable, personnellement, de fouiller dans les fichiers du jeu sans le faire planter. Et ici, on s'est mis d'accord et on discute ensemble. Et il va me faire une troisième saison avec les transferts, les nouvelles équipes, lui créer du contenu. Donc ça, c'est l'avantage que tu auras si tu viens sur PC. C'est que tu peux changer le calendrier, tu peux changer les skins, les numéros. Tu peux te faire encore ça, plus de roleplay, en fait. Ouais, ça c'est ouf. Hein. Bah, c'est ce que tu fais avec Van Dorn, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est que, alors, Van Dorn, j'ai eu un coup de bol monumental. C'est que j'ai commencé ma carrière avant qu'il soit officialisé chez McLaren. Ouais, et au moment où il a été officialisé, ça a bondi au niveau des vues, c'était assez incroyable. T'étais content, hein. Mais oui, j'étais content, mais c'est vrai, tu peux le dire, aujourd'hui c'est la série qui marche le mieux, et encore elle s'essouffle parce qu'au bout d'une saison et demie, avant je faisais 7-8 000 vues, maintenant j'en suis à 4 500, 5 000 au bout d'une semaine, ce qui est une perte, mais il faut dire que le jeu est sorti, les gens ont fait eux-mêmes leur carrière, l'intérêt est moins grand, voilà. Ouais, c'est ce que je disais, ouais. J'ai pris une vague, je prenais 100 abonnés par jour quasiment à l'époque de la sortie des fins 2016 d'ailleurs. Donc, ouais, j'ai vu ça, ouais. Mais tu sais, des fois tu peux te lancer dans une idée beaucoup trop tard. Ici, ça fait 2 mois que je crève d'envie de faire du Dirt Rally. Je m'y suis lancé il y a une semaine et demie, 2 semaines. Et jusqu'au moment où je vais sur Facebook et je me dis, ah oui, Dirt 4 il sort dans un mois, merde.
Donc je vais avoir une série sur un jeu obsolète, donc je vais sans doute perdre des vues, mais j'ai dit que j'allais au bout, donc je vais maintenant tourner tous mes épisodes de Power Stage. Bon, il n'y en aura que 10-12, hein. Mais voilà, la série ira au bout. C'est pareil, j'ai mis un an à finir mes saisons de STW parce qu'il fallait réinstaller le jeu, le mode et tout ça. Donc ça, si tu viens sur PC, ce que je te souhaite d'ailleurs, parce que tu vas voir, c'est un monde beaucoup plus sympa que sur console, pour nous, hein, pas en termes de plaisir, mais en termes de boulot, oui, et de ce que toi tu vas pouvoir faire, tu vas dire « Ah, je peux faire ça, je peux créer ça, etc. » Tu vas voir que ça va être beaucoup mieux. Je pense que tu vas plus t'éclater. Parce que je suis masse limité quand même avec la PS4. Hein, non mais en termes de boulot, ça doit être un... Je peux rien faire, quoi. Ça doit être un cauchemar, quoi. D'ailleurs, je voulais faire un truc, je veux pas qu'on me copie, donc ceux qui m'écoutent et tout, vous me copiez pas. Genre, si je viens avoir un PC, c'est tous les youtubeurs, je vais les mettre dans chaque écurie, par exemple, qu'ils ont respectivement... Tu vois, je vais dire une connerie, hein. Prends le bien ou prends le mal. Ça, c'est une putain d'idée qui est pas exceptionnelle, mais qui n'a jamais été faite. Et c'est ça que j'aime bien chez toi, Hydro. C'est con, hein, mais c'est le petit détail en plus que personne n'a fait. Pas genre, oh, il fait ça, attends, je vais faire le même, changer la couleur. Non, ça, je supporte pas. Créer du contenu pour faire un plan d'études ou un plan de carrière ou un plan de réussite ou autre, moi, ça m'intéresse pas. Quand j'étais, il y a deux ans et demi maintenant, personne faisait ça. Le seul qui faisait ça en français et bien, parce qu'il y en a qui le faisaient mal, mais celui qui le faisait bien, c'était Black Deer. Black Deer, c'était un mec qui faisait des vidéos sur fin 2011-2012. Il faisait une vidéo le samedi, une le dimanche. Tu regardais aussi Black Deer à l'époque? Ah oui, ouais, j'étais petit, mais je regardais quand même. Voilà, tu vois, c'était génial. Ouais. Moi, j'adorais. Et je me suis inspiré de lui. Mais j'ai pas fait ce que faisait Black Deer. J'ai rajouté le TV, le commentary français, les teams radio. J'ai commencé sur le WTCC en 2014, je crois, sur Race Room. Donc voilà. J'ai essayé d'instaurer plein de trucs. Il y a plein de gens qui m'ont copié. Il y a plein de gens qui ne s'en sont pas gênés. J'ai encore des gens qui viennent me voir aujourd'hui pour demander s'ils peuvent commenter un truc parce que tu veux pas le faire. J'ai dit mais je suis la mère de personne, vous me devez rien. Mais ça me fait rire, mais dans un sens je suis très flatté qu'on me copie parce que c'est que ce que je fais fonctionne. Mais d'un autre côté je suis parfois très triste que certaines personnes s'approprient une idée ou un contenu qui est le mien. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Tu viens de le prouver quand tu m'as dit « Ah putain les gars, s'il y en a un qui me pique l'idée de mettre tous les youtubeurs dans leur équipe de F1, ça me ferait chier. » Oui, tu vas mettre sûrement... Non mais En vrai, mais c'est une idée que tu as envie d'exploiter, ça te donne des. Oui, ça, j'ai ça envie te motive. D'être le premier. Ouais, j'ai envie d'être le premier, mais après, tu sais, si on me copie, il n'y a pas de problème, parce que je le disais, je crois à Hydro, je faisais vas-y, mets-moi dans la Williams, vu que je suis à la OR avec. Ouais. Je l'avais dit à d'autres aussi, mais moi, ça ne me dérange pas, s'il y en a, il le fait, tant pis. Moi, je ne peux pas le faire pour l'instant, donc si quelqu'un veut le faire, franchement, ça serait magique de voir tous les youtubeurs français ou même anglais, tu sais, plus les pilotes. Réel, mais les pilotes... Oui, donc en gros, tu mettrais moi chez McLaren, tu mettrais Arava à côté, toi, tu te mettrais avec des pilotes chez Williams, mettre... Alors, Hydro chez Ferrari, voilà, il y a moyen de mettre un peu tout le monde chez qui on veut, donc ça peut être génial. Après, moi, tu vois, si tu me fais mon casque de ma chaîne YouTube, toi, tu peux mettre tes couleurs sur ton casque, tu reprends... Je suis sûr, t'envoies un mail à Arava, il te répond, hein. Je suis sûr et certain. Moi, si tu veux, je peux le faire. Si vraiment, tu as besoin d'infos ou de contenu... Je te le dirai alors. Oui, non, il n'y a pas de souci, il y a moyen, tu vois. Voilà, il y a Fabien Taraxi qui vient d'arriver sur le chat, qui est celui qui dessine les skins de chez NK Design pour les TX3 et pour des vraies voitures, donc en Porsche Cup, en Clio Cup, etc. Je suis sûr que lui, si tu demandes, il va trouver le moyen de le faire. Alors, je sais qu'il ne bosse pas sur F1 2016 parce que c'est un peu galère, mais ouais, de toute façon, si t'as une idée, exploite-la parce que... Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont des idées et c'est bête, mais regarde, j'étais en train de faire le montage de mon Grand Prix de Silverstone. Je me suis dit, putain, je vais faire le vote Driver of the Day. Personne ne le fait. Et maintenant, j'ai vu ça, ouais. J'ai un straw poll, les gens viennent voter. Bon, il y en a qui votent dans les commentaires parce qu'ils savent pas lire. Faites un effort, je vous en supplie. Arrête, j'ai l'impression que tu parles à moi avec le push to talk. Oui, c'est... mais non, mais c'est pas méchant, mais dans un sens, voilà. Des fois, je me demande si les gens, je pense que t'as ça aussi, les gens se rendent compte du boulot qu'il y a derrière parce qu'ils sont un peu à côté de la plaque parfois. Ils posent tout le temps les questions, les mêmes, genre « Ouais, tu roules avec quoi comme volant ?» alors que je viens de le dire au début de la vidéo. Mais oui, c'est ça. Tu sais, j'ai fait les post-annonces pour cette soirée, ils m'ont dit « Tu vas rouler sur Restroom ?» Je fais « C'est dans le poste, c'est partout. » C'est partout, il faut juste lire. Et en plus, je marque en dessus, tu sais, tu marques comme moi, je pense, en gras, lisez la description pour que les gens déroulent. Tu remets un commentaire épinglé, les gens demandent encore. C'est un peu ce qui démotive parfois aussi, c'est que t'as l'impression que ton travail est pas,
et pas qu'il n'est pas estimé, mais que les gens se rendent pas compte que c'est des fois galère pour sortir un truc. Quoi. Mais ce qui est énorme, des fois aussi, enfin je le vois dans les commentaires de tes vidéos, parce que je regarde les vidéos de tous les youtubeurs F1, franchement, les abonnés, ils remarquent des trucs, mais que toi, en tant que monteur de vidéos, youtubeur, tu dis, mais tu attends, pas. Le gars, il réagit sur ça, il kiffe ce moment, alors que toi, c'était un moment comme un autre, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu lancer le Driver of the Day, parce que je me dis, qu'est-ce qui a marqué les gens dans la vidéo? Parce que moi, le Driver of the Day, pour moi, à Silverstone, par exemple, c'était Sainz. Et alors, tout le monde a voté pour Van Dorn et Vettel et Hamilton, tu vois. Pour différentes raisons, parce que chacun voit la course différemment. Et c'est ça qui est cool aussi. Mais voilà, c'est parfois triste de voir qu'on n'est pas complètement sur, sur la même longueur d'onde avec certaines personnes. Heureusement, il y a quand même des gens qui passent, voilà, qui... Ouais, c'est ça. Ah, Fabien, si tu as besoin de moi, tu peux envoyer un message sur Facebook ou sur YouTube au pire. Parce que je vois que sur le chat, on me sollicite aussi. Voilà, avec le fameux description en gras avec 8 points d'interrogation, c'est exactement ça. Ouais. Bah écoute, Giggs, si tu as quelque chose à rajouter. Ouais, un dernier truc. Dis-moi. Hein, c'est comme tu dis, c'est pas du léchage de cul ou quoi. Oh si, vas-y, j'aime bien. Je me frotte, vas-y. Sur Twitter. C'est le projet que tu avais eu. Avec les dons et tout, que de faire une chaîne TV avec les lives que tu fais. Yep. Franchement, c'est vraiment énorme. J'en suis presque jaloux. Ah, bah, c'est genre. Enfin, merci. Mais voilà. Non, c'est vraiment énorme. Franchement, tu as cru et moi, je pensais pas que tu allais y arriver. Hein. Je peux être honnête. Moi non plus. Sincèrement, moi non plus. Tout le matos que t'as, c'est un truc de ouf. Hein. Franchement, tu pourrais faire un truc de malade. Maintenant. Oui, et je suis certain que des gens doivent me voir avec un matériel comme cela en se disant, putain, si moi j'avais son matériel, je l'exploiterais 1000 fois mieux. Ça, j'en suis sûr et j'en suis désolé, mais j'apprends tous les jours. J'apprends à faire des niveaux, les voix, le son, etc. C'est... De toute façon, si quand t'es youtubeur, t'es autodidacte. Hein. Apprendre à monter, à faire le son, à faire tes images, tes miniatures, tu dois te démerder. Hein. Moi, je te rappelle que pendant un an, mes miniatures, c'était fait sur Paint. Hein. J'avais pas Photoshop, j'avais pas en servir aujourd'hui. Ouais, je l'ai fait sur Paint aussi. Voilà, tu vois, mais il n'y a pas de secret. On commence tous quelque part et on et voit oui. L'évolution. Ouais. Mais bah merci. Mais voilà, moi, je... Depuis que je suis gamin, alors je vais faire attention, l'instant larme à l'œil, liste de Schindler en fond, s'il vous plaît, la musique. Non, mais en résumé, moi, mon objectif, c'est de. L'objectif premier de YouTube, ça a été de partager mon envie de commenter des courses. Parce que faire des vidéos sur l'actualité, ça m'intéresse évidemment, parce que c'est ma passion, le jeu vidéo. Mais avant tout, ce que je voulais, c'est prendre, entre guillemets, la place du commentateur de Sim Racing. Parce que. Je trouve que c'est ma place, c'est ce que je fais depuis que je suis gamin, c'est ce que je pense, je fais pas trop mal vu où j'en suis aujourd'hui, sans trop me la péter, mais j'ai eu quelques opportunités oui. Que j'aurais pas eu, je pense, si j'étais mauvais, on m'aurait oui. Dit... Je pense que YouTube, si t'es mauvais, on te dit très vite que t'es mauvais, hein. on te démonte oui, très vite la tête. Oui, t'as une masse de dislikes, puis voilà. Quoi. Voilà, donc t'es très vite calmé si tu ne plais pas ou si tu fais un contenu qui est pas approprié ou qui répond pas à l'attente des gens, je crois. Hein, voilà. Moi, j'avais fait une course en ligne qui avait été mal reçue, j'ai pris 50 pouces rouges, j'ai fait « Ok, c'est pas ce que les gens veulent voir, j'arrête. » Mais tu testes. Voilà, oui, il faut tester, c'est sûr. Et aujourd'hui, voilà, j'ai la chance que j'ai la FFSA qui me laisse commenter sa Coupe de France, j'ai le WTCC d'Eurosport et de KW Suspension qui m'ont dit, enfin, Race Room qui m'a dit, voilà, on a un truc officiel, championnat du monde, est-ce que tu veux faire le stream français? Ok. J'ai pu commenter le championnat de France, Forza aussi, avec le SL, ça m'a ouvert aussi pas mal de ports, donc voilà, je suis satisfait et heureux du parcours que j'ai fait, j'aurais jamais pu le faire sans YouTube, personne ne m'aurait jamais trouvé. La finalité pour moi, après tout, ce serait... peut-être de réduire ou d'arrêter YouTube pour en faire un métier dans un média plus traditionnel, dans un journal, écrit, TV. Pas forcément la TV, je demande pas d'être à l'écran, c'est pas ça qui me motive. Ouais, je pense qu'il vaut mieux rester genre, dans le domaine YouTube, tu vois, parce que la TV, ils comprennent pas trop encore YouTube, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Alors, ça commence en France et en Belgique à se démocratiser, parce que le trou de la génération entre ceux qui consultent le média TV et le média Internet... est en train de disparaître, parce que toute la génération des 60-70 ans, enfin même 50-60-70 ans, commence un petit peu, malheureusement, mais depuis 10 ans à disparaître, c'est le cycle de la vie, hein, comme on dit dans les grands philosophes de Disney. Non mais, tu vois, il y a un renouvellement de la société, et il y a notre génération, et la génération d'après,
donc les 2000, pour parler vulgairement aussi de la génération. Mais bon, moi j'ai 25 ans, tu as quel âge sans indiscrétion, si on peut savoir? Alors, oui, on peut le dire, hein. De toute façon, je pense que mes abonnés connaissent mon nom de famille, mon prénom, ça je me suis jamais caché, pardon. Mais ouais, je vais avoir 19 ans, on est le 1er, dans le 25 mai, ouais. Ah bah vous pourrez aller souhaiter un bon anniversaire sur Twitter à Hydro, à Geeks. Il voulait passer avec moi sur le Discord, je sais pas si c'est possible ou quoi. Mais je sais pas s'il est là, je le vois pas sur le... Je sais pas quel est son pseudo sur Discord, mais je le vois pas avec nous. Peut-être pour une prochaine, écoute, parce que là j'avais promis d'arrêter à 22h, et là j'ai déjà pris 25 minutes dans la figure et je vais me faire taper. Et il y a des gens qui sont là avec leur volant qui attendent. Mais non, mais effectivement, tu parlais d'éviter de partir justement vers le média télé. Mais voilà, effectivement, si y en a beaucoup qui me disent « Ah, tu devrais commenter à Canal, tu devrais commander à la RTBF », pourquoi pas ? Pourquoi pas? Et ça va peut-être se faire, qui sait? Mais la finalité, c'est vraiment d'avoir un salaire fixe et de pouvoir vivre de ça, parce que c'est pas la seule chose que je sais faire dans la vie, mais c'est ce que je rêve de faire de ma vie. Contrairement à ce qu'on peut parfois lire ou voir ailleurs chez certaines personnes, ça n'est pas de l'opportunisme ou faire quelque chose qui fonctionne parce que ça fonctionne dans une période où ça fonctionne. C'est juste que je pense que toi comme moi, depuis qu'on est gamin, on aime ça. Voilà. Donc voilà, c'est pas de l'opportunisme ou de la passion à petite dose, comme je vois de temps en temps, comme j'ai pu comprendre. C'est de la passion occasionnelle, en étant j'aime bien, mais juste un peu pour dire deux, sans. Voilà, et on. Voilà, c'est. Voilà. Après, tout le monde peut donner son avis, hein. Je ne suis pas une dictature, je ne suis pas la vérité, j'ai jamais prétendu l'être. Mais voilà, c'est quand même intéressant aussi d'avoir un échange avec un collègue qui marche bien. Alors, allez vous abonner à la chaîne de Geek si vous aimez la F1 et les jeux de bagnole, parce que il a une personnalité, je trouve, qui est plutôt sympa. Alors, t'as vraiment une différence avec moi aussi niveau jeunesse. Hein. T'es encore décalé par rapport à moi dans ton public et dans ta manière de faire, de parler, etc. Et pourtant, on n'a que 5-6 ans de différence. Mais le fossé est très, très grand. Donc, c'est complètement différent de ce que je fais, en tout cas. Mais c'est le même support, c'est ça qui est cool. Après, je demanderai à tous ceux qui sont sur live de ne pas forcément aller s'abonner parce qu'on vous le demande. Enfin, non, bien sûr. Oui, non. Allez voir ce qu'il fait. On m'abonne à ma chaîne. Oui, je préfère. En fait, c'est ça. Parce que ma famille me demande ma chaîne, mes amis. Je dis non, mais t'aimes pas la F1, regarde pas, ça sert à rien. Et je préfère avoir des abonnés qui kiffent mon. Bien sûr. Ce que je fais, que voilà, ils viennent et puis voilà, ils regardent pas jusqu'au bout. Donc, ouais. Mais merci quand même de faire de la pub, c'est très gentil. Mais c'est même pas de la pub, c'est que moi je regarde tes vidéos et je suis abonné normalement à ta chaîne. Si c'est pas fait, je vais aller voir. Mais en tout cas, je suis dans mes recommandations, tu es souvent. Pardon. Affiché, tout comme Hydro d'ailleurs. Donc ouais, non, il n'y a pas de secret. Quelqu'un qui fait du bon contenu, je le dis, allez voir Partaille, allez voir des gens comme ça, allez voir. Il faudrait que j'aille voir d'ailleurs mes abonnés, parce qu'il y en a tellement qui font du contenu. Pas forcément que du F1, hein, t'en as qui font. Partaille, il fait que du racing, justement. Il y a plein de personnalités, il y a plein de gens différents, et il y a, je pense, toujours de quoi trouver votre bonheur. Et au-delà du jeu, trouver une personnalité qui vous intéresse aussi, un youtubeur qui vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on choisit plus un youtubeur pour sa personnalité pour son contenu. Fondamentalement, donc enfin voilà. Écoute, on a débordé d'une bonne demi-heure sur l'antenne, mais bon, au bout de trois fois, fallait quand même que j'essaie de t'avoir, sinon je pense qu'on aurait été tous les deux dégoûtés. Mais j'aurais été un peu déçu, mais je pensais même pas passer. Je dis, ah, mais attends, c'est pas sur Skype, c'est sur Discord, j'ai vu ça dans la description. Du coup, oui, on m'a soumis Discord, et voilà. Et le Discord ici, vous pouvez le rejoindre. D'ailleurs, il y a le lien dans la description, justement. Et dans si vous regardez ce live en VOD, je mettrai un commentaire avec l'adresse l'URL du Discord. Et le Discord est né ce soir et il va rester actif. Et on pourra venir entre abonnés de Maxoul Pilote discuter, pourquoi pas. Et moi, si je veux rouler un peu avec vous, moins, on sait où se retrouver. Bah écoute, merci beaucoup, mon cher Geeks, de ces merci à toi, mots. Plutôt, pour ton live et de m'avoir invité. Alors, est-ce que du coup, on va faire du F1 2016 avec toi maintenant, ou est-ce que tu vas te coucher? Moi? Oui. Bah, j'ai pas de PC. Ah oui, t'as pas de PC, c'est juste. Non, c'était un troll, c'était vraiment pour voir la réaction. Non, mais en fait, ce serait vraiment un plaisir de venir tous vous défoncer, en fait. Eh bien, nos fêtes attendent. Faites un crowdfunding. Prenez 800 euros à vos grands-parents. Volez des cartes bleues. Faites des dons à Hydro et à Geeks. Ils viennent tous les deux sur PC avec un vrai PC, parce que je crois qu'Hydro, il galère aussi avec son PC, du coup, si j'ai pu comprendre récemment. Et donc, on sera tous les trois sur PC et ils vont me botter le cul. Hein, c'est ton objectif final. Finalement, tu veux un PC juste pour venir nous botter le cul. C'est ça l'idée.
Non, c'est parce que il y a des petits commentaires qui sont drôles, qui disent que Hydro ou Maxou, ils sont plus forts que moi et je le prends mal un peu. Alors, j'ai aussi une solution. Si vous ne voulez pas faire un crowdfunding pour aider Geeks, faites un crowdfunding et payez-moi une PS4, je viendrai jouer avec. Oui, au pire, oui. C'est... Ça me va aussi, moi. Oui, mais faut mieux que j'ai un PC. Non, non, mais je pense que si tu viens sur PC, tu vas avoir beaucoup plus simple pour les jeux et aussi pour ton rendu si tu as une bête de guerre un peu plus sympa. À mon avis, tu vas te marrer. Il y a Hydro qui me clash dans les commentaires. Ouais, mais c'est mais vous Je vais êtes c'est les arrêter. vamps, les deux c'est les vamps hein. Quand j'étais sur un de tes lives, ouais, il y a 2 3 jours, le mec je te donne des coups de pied dans le front dans le caniveau, c'est vous êtes atroce hein, Oui. Et il faudrait que tu fasses mon défi. Je t'avais demandé de le faire et tout, je sais pas, tu l'as pas fait encore. C'était du coup, j'ai vu que t'étais sur Spa. Interdit de rétrograder à Monaco. Du coup, tu restes par exemple si tu restes en deuxième, tu peux pas rétrograder, mais nous on est resté en cinquième. Après, il y avait Spa. Oh, j'aurais bien aimé voir l'épingle en cinquième, ça doit être marrant. Ouais. Et du coup, ouais, il faut que tu le fasses, ça peut être vraiment drôle parce que vraiment ça a relancé des vues sur ma chaîne, mais vraiment énorme. Enfin, grâce à Hydro également qui a fait de la pub. Mais waouh, ça. C'est comme l'AOR quand j'ai sorti la vidéo, j'ai dépassé 1000 vues en 2 jours, même pas. Et c'est énorme pour moi, quoi. Bah écoute, je vais voir si j'ai le temps et je vais essayer de répondre à ta. T'en prévois, je vais parler la France, hein. Tu en prévois un prochainement? Défi? Ouais. Non, parce que là j'ai vraiment trop de taf avec les entraînements, la F1 Simu, l'AOR et la carrière, impossible. Bon, bah écoute, je vais prendre le dernier. Donc le dernier c'est Monaco sans rétrograder, c'est ça? Non, le dernier c'est Spa du coup. Il y avait aussi Autriche en inversant le volant et les pédales. Ça peut être marrant, remarque. Ouais. Je vais voir un petit peu ce qu'il y a. Je vais aller voir ce qu'ont fait tes petits camarades sur YouTube et je vais voir. Je vais en sélectionner un et je te ferai ça. Fais celui que tu kiffes le plus et tu le mettras. En même temps, il Essaye me propose de un le choix. Il y battre. a ce pas dedans. Qu'est-ce que tu veux que je prenne? Après, ça lasse tout faire, donc ça peut être compliqué. Oh, Hydro, il a bon, pas galéré, moi j'ai galéré. on verra bien. On verra bien. Mais j'essaierai. Je tenterai le coup, promis. Ça marche? D'accord. Ouais. Bah écoute, une bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée à toi et je suis désolé d'avoir pris autant de temps parce que j'ai pas vu le repasser en fait. C'est pas grave, mais c'est mieux, non? Oui, je pense, parce que C'est pas sinon plus c'est mal, parce pas que si on était possible. là, genre, ça y est, c'est fini. Non, bah ça marche. Bah écoute, merci à toi et bonne soirée, à bientôt. De rien, au revoir. Eh bien, voilà, c'est ici, avec une demi-heure de retard, que l'on va fermer. Alors j'aimerais que mes amis Andy et Emric se démutent s'ils sont toujours déjà vivants et hydratés. Oui. Oui, Toujours vivant. toujours debout, toujours la banane. Que voulez-vous? Alors, on va jouer maintenant à F1 2016. Je sais, il est tard. Mais on va commencer parce que vous êtes quand même près de 300. Quand même, c'est quand même pas mal pour une nuit des abonnés. Alors que je suis casquette sur ma webcam. Oui, c'est mon siège qui craque, hein, c'est pas mes os. Je suis en très bonne santé. On va faire 5 minutes de pause parce qu'il faut quand même boire. Alors, pour ceux qui sont habitués, placement de produit, l'Ice Tea est prêt. Oh, il est beau. Il est beau, hein? Il est bien placé celui-là. Voilà, donc tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de passer en libre antenne et qui ont attendu, donc je pense à DJ Shiva, à Banlieue Dangereuse, à Guigui qui était là. Bon, il y a Hydro qui est arrivé finalement, Looping, Sartren, etc. S-Dubs, pardon. Ne vous inquiétez pas, je vais refaire très rapidement une nuit des abonnés, alors peut-être pas ce mois-ci, parce que la semaine prochaine, je crois que j'ai 10 lives en 7 jours, ça va être atroce. Mais on va rapidement remettre une nuit des abonnés sur Pat, peut-être pour le mois de juin. J'espère pour le mois de juin, je pourrais vous faire ça. Donc, on va jouer fin 2016. Comment ça va se passer? Vous le savez, je peux pas vous donner forcément mon pseudo et mon compte Steam. Donc, même si mon compte Steam, c'est Maxou espace le pilote en un mot. Si vous le trouvez, trouvez-le, il n'y a pas de souci. Vous ne pouvez pas avoir mon profil, mais vous pouvez vous joindre à nous. On va donc sur F1 2016 sur PC. Et notre ami Andy Wheeler va créer une game. Vous pouvez. Alors, mon cher Andy, est-ce que tu peux mettre sur le chat YouTube. C'est fait. Voilà, tu as déjà. Bon, tu sais qu'il est formidable. Donc, Oui. ajoutez le compte d'Andy sur Steam et ajoutez-le en ami ou essayez de faire rejoindre la partie. Je suppose qu'ils peuvent rejoindre sans être forcément ton ami. Normalement, oui. Ouais, parce Normalement, que donc voilà. sinon son Donc, compte il va exploser là. voilà. Donc, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais aussi rejoindre la game parce que ce serait con que vous soyez 16 et que moi je l'ai et que je peux pas vous rejoindre. Donc, on va faire ça en live. Alors, c'est aussi un peu le côté un peu plus cool hein, des libres antennes, c'est qu'on n'est pas forcément en train de faire du professionnel comme on fait Ah, bien sûr. en commentary de course. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé un peu de cette libre antenne? Eh ben impeccable. Ça s'est bien passé, ça Ouais, va? On n'a c'est pas eu cool de d'avoir des timide? avis de certains. Ça va. Ça va. Non, non.
Bah oui, les avis de certains, évidemment, Emeric. Il va falloir s'organiser pour la rotation. Hein, pardon? Oui, non, mais les avis, on a parlé de Ferrari, voilà. Ah, quand une vidéo sur Project Cars 2. Pour l'instant, j'ai pas le choix, il n'est pas sorti, et c'est pas plus mal. Oh là là. Alors, Apollon, qui, sur le chat, a l'air perdu. Depuis tout à l'heure, je vois des phrases passer de sa part absolument incroyables. Mec, s'inquiète, hein, quand est-ce que tu vas jouer? Quand on va faire des courses en ligne. Mais je pense que la question n'était pas, vas-tu faire une course en ligne ce soir, mais une course en ligne en vidéo, je pense, plus à ça dans sa question. Alors, les courses en ligne avec les Zigoto que vous entendez notamment ce soir vont avoir lieu. Le problème, c'est que ce mois de mai va être très fourni en live. Alors là, normalement, je dois vous défoncer les oreilles avec F1 2016. Non, donc le non. PC Racer, ça va, voilà. Alors, je vais juste faire settings, audio settings, audio volume levels. Je vais baisser le volume levels du main véhicule et du radio speak, comme ça. Oui, j'ai un anglais parfait. Comme ça, voilà. On entendra. Que les gens ne s'inquiètent pas non plus, on va faire des rotations, je pense, parce que si on est 200 ou 300 en même temps sur F1, ça va pas le faire. Oui, parce que là, vous êtes 280 viewers. Alors, je pense pas qu'il y ait 281 personnes qui aient le jeu en live sur PC. Alors oui, je vais rajouter. Alors je vais justement faire ça. Je vais vous rajouter un petit élément perturbateur, parce que oui, il y a Maxime qui me demande depuis tout à l'heure. J'ai vu tes messages, Max. Donc il y a Maxime Monet qui nous rejoint. Bonsoir Maxime. Bonsoir encore. Ça a pas changé depuis tout à l'heure. Non, ça n'a pas changé. Et du coup, tu vas pouvoir nous lire les questions sur le chat, puisque tu t'es gentiment proposé de le faire. Donc reste quand tu veux, évidemment. C'est à la bonne franquette, les nuits des abonnés, vous le savez. Avec plaisir. Comment je peux rejoindre ta partie? Je vais rejoindre la partie de notre ami Andy. Je vais aussi monter un peu votre son. Notamment Max qui est un petit peu up. Hop. Et Andy aussi. Voilà. Donc normalement on est dans la game. Yes. Il y a Barry Kimi. Formidable. Alors si vous ne connaissez pas Barry Kimi, c'est un pote de mon ami Michael qui du coup se retrouve. Ah par contre je vais. Alors attends. Faut que tu mutes tous les micros. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce que je peux le faire? Alors attends, est-ce que moi. Mute all. Voilà, alors on est nul, on est muet. Voilà. Attendez, moi je vous rejoins aussi en même temps là. Alors, du coup, je sais qu'on peut être 16, je crois, ou 24. Bon, bah écoutez, on va marquer 5 petites. Je regarde là parce que j'ai le retour, mais. On va marquer 5 petites minutes de pause. Moi, je vais me mute, je vais aller me vider la vessie et remplir ma gourde, comme j'aime le dire. Et dans 5 minutes, on se retrouve. Alors, je sais pas si on est exclu dans le lobby ou si on peut attendre encore ad vitam aeternam. On va attendre tant que la pause n'est pas terminée. Voilà, formidable. Eh bien, j'ai donc notre ami Andy qui va gérer la game sur F1 2016. Donc, rejoignez-nous. Vous allez sur le. Sur le chat YouTube, vous trouvez le compte Steam de notre ami Andy qui va le remettre d'ailleurs. Et vous l'ajoutez en ami ou vous faites rejoindre la partie. Vous allez tomber dans F1 2016 avec nous. On verra après pour les setups de course. On fera sûrement des courses de 5 tours plutôt que des courses de 25%. Mais on va laisser un petit peu tout ça en repos. On marque 5 petites minutes de pause et on se retrouve donc pour du F1 2016. Venez avec nous sur PC. La nuit des abonnés, ça ne fait que commencer. Je sais que les deux toyons qui sont avec moi, je ne sais pas pour Max, mais pour Andy et Emeric. Vont pas aller se coucher à 1h, ça je sais, je connais non, un peu le, voilà, je connais un peu le fonctionnement. Pas tout de suite, hein, mais... ça va. Voilà. Je vais attendre 22h40. Je vais attendre 22h40 avant d'aller se coucher. Voilà, bah écoutez, à tout de suite, 5 minutes de pause et on revient donc sur F1 2016. C'est parti. Allez. Maintenant c'est coupé, Brick. C'est coupé.